Annotation. Ça marche. Bien. Alors, donc, deuxième partie, enfin, dernière partie des cardiopathies ischémiques va concerner le ST+. On fait rappeler rapidement sa physiopathe. Donc, le ST+, est un syndrome crânien aigu, n'est-ce pas? Suspect à la persistance du segment ST. Et la physiopathe du syndrome crânien aigu n'est rien d'autre qu'une rupture de plaque. T'as un branché. Rupture de plaque avec formation d'un thrombus plaquettaire d'abord et puis un thrombus plus gros, fibrinocurique, sauf quand dans le ST+, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le thrombus fibrinocurique est complètement occlusif, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va nous fermer complètement l'artère. Il en résulte quoi? Il en résulte une ischémie sévère, transmurale, c'est-à-dire dans toute l'épaisseur de la paroi concernée, c'est-à-dire vascularisée par l'artère en question. Donc, douleur, hein, généralement plus intense. Et puis, à l'ECG, cette ischémie transmurale va se traduire par un susdécalage qui est persistant. Persistant, c'est-à-dire qu'il dure au moins 20 minutes. Ça dure un petit peu la physiopathe du ST+, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas la seule. Il peut y avoir, par exemple, d'autres mécanismes d'occlusion de l'artère. Bon, un, on l'avait vu dans le cas clinique. Alors, qui peut me le faire rappeler? Thrombose aiguë de Stent. Exactement. Voilà, thrombose aiguë de Stent. Exactement, il y a autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ce qui entraîne la coagulation du sang n'est pas une plaque d'artère rompue, mais un stent métallique qui n'a pas été correctement traité par les anti-agrégants plaquettaires. Voilà. Par exemple, arrêt prématuré des anti-agrégants avant l'endothélialisation des stents, hein, avant que le stent se couvre de chair, comme c'est un élément métallique qui peut activer les plaquettes, la coagulation et entraîner une thrombose. Citez-moi un troisième mécanisme possible. Rosténose. Non, ouais. Alors la rosténose, très bien. La rosténose, j'en parlais, la rosténose ne donne pas d'ST+. Donc, elle donne plutôt, la rosténose, c'est quelque chose de chronique. C'est une fibrose extensive qui va sténoser la coronaire, mais qui survient d'une manière extrêmement lente. Et donc, la rosténose, ben, entraîne quoi? Entraîne finalement plutôt une cardiopathie chronique, un syndrome crânien chronique, un syndrome crânien aigu. Alors, troisième mécanisme possible. Migration d'un embol. Embolisation. Exactement. Voilà, embolisation, exactement. Un embol qui vient d'ailleurs. Généralement, il vient parce que l'aorte, enfin les coronaires, c'est les premières collatérales de l'aorte. Généralement, il vient en amont. Et en amont, il y a quoi? Il y a le cœur gauche. Et donc, ou bien c'est un thrombus au niveau de l'oreillette gauche, suite à une fibrillation auriculaire, formé suite à une fibrillation auriculaire, ou un thrombus ou un caillou de sang, un thrombus au niveau du ventricule gauche qui vont migrer, d'accord, qui vont se détacher, qui vont être emmenés par la circulation. Il peut emboliser n'importe où, au niveau des carotides donnant un AVC, au niveau d'un membre donnant une ischémie aiguë, ou là, il peut emboliser au niveau d'une artère coronaire donnant un ST+. Voilà. Très bien. Donc, plusieurs mécanismes qui ont en commun quoi? C'est quoi le point commun? C'est l'occlusion complète de l'artère par un thrombus. Voilà. Qu'il soit embolisé d'ailleurs, qu'il soit formé d'un stent, ou dans le cas le plus fréquent, ben, sur une rupture de plaque d'athérum. Sachez que le premier mécanisme, la rupture de plaque d'athérum reste le mécanisme le plus fréquent. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour le moment? Oui. Hein? Donc, comment allons-nous diagnostiquer ce syndrome coronarien, enfin ce ST+, à votre avis? Deux paramètres, la clinique et le CG. Voilà, exactement. Donc là, le diagnostic est assez facile parce que c'est basé deux secondes là. Lamine, oui, salut, ça va? Lamine, je suis en plein cours, je peux te rappeler, c'est pas urgent. Okay. Bien, donc je disais, est-ce que la connexion est rétablie? Oui. Donc, on avait dit que c'était basé sur deux critères.
la douleur thoracique et puis le sus-décalage persistant du segment ST. Là, la facilité par rapport au ST moins, c'est que le signe électrique est constant. Il y a toujours un sus-décalage persistant du segment ST. Et donc, la présentation clinique est assez uniforme. Donc, la douleur, c'est une douleur angineuse qui survient au repos, hein, puisque l'artère se ferme au repos, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas de sang qui arrive, donc l'ischémie est présente même au repos. Bien, c'est une douleur angineuse que vous connaissez, qui est constrictive, qui irradie vers les épaules, la mâchoire, etc. Elle est étalée, n'est-ce pas? Rétrosternale. Bien, donc sa description typique, ou elle peut être aussi typiquement un type de brûlure. Hein. Même les brûlures thoraciques étalées sont typiques de l'ischémie. Alors, généralement, c'est une douleur plus intense que celle du ST-, n'est-ce pas? Et puis qui résiste à la trinitrine. Pourquoi? Parce que l'artère est complètement fermée et que vous allez dilater ou pas cette artère avec la trinitrine, ça ne changera pas grand-chose. Ben, l'artère restera fermée. Bien. Voici un petit peu les caractéristiques cliniques de la douleur du ST+, hein. Sauf que la clinique n'est pas assez sensible, n'est pas assez spécifique pour distinguer entre ST- et ST+. Donc, même si la douleur est plutôt plus intense, résistante à la trinitrine avec irradiation plus large dans le ST+, ceci ne permet pas quand même de le distinguer du ST-. Et encore une fois, tout ce que peut vous apporter la clinique, c'est le diagnostic du syndrome coronarien aigu, n'est-ce pas? Par la suite, même devant toute douleur thoracique angineuse, vous devez faire un ECG et le faire idéalement dans les 10 minutes. Donc, premier délai de prise en charge, on va voir qu'il va y avoir plusieurs délais. Donc, le premier délai de prise en charge va concerner le diagnostic, l'ECG devant une douleur thoracique suspecte, le syndrome coronarien aigu. Et ce premier délai est de 10 minutes. Si on est performant, on doit pouvoir faire l'ECG assez rapidement. Là, vous comprenez qu'une artère fermée est une urgence et qu'il va falloir la reperméabiliser le plus rapidement possible pour éviter la nécrose irréversible du myocarde. C'est un petit peu une course contre la montre. Chaque minute compte. C'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de retard de prise en charge et donc il ne doit pas y avoir de retard diagnostique. C'est pour ça qu'on s'impose un petit peu ce genre de délai et on estime qu'on est bon si on a pu faire le diagnostic dans les 10 minutes, c'est-à-dire faire un ECG qui est essentiel, capital au diagnostic nécessaire dans les 10 minutes. Bien. Alors, quand on fait un ECG, qu'est-ce qu'on trouve dans le ST+? Eh bien, le sus-décalage tel que vous le connaissez, n'est-ce pas? Donc, qui est convexe, qui a au moins 1 mm, qui touche au moins 2 dérivations continues, n'est-ce pas? Voilà. Quoi d'autre? Voilà, correspond à un territoire avec souvent image en miroir. Image en miroir qui est un élément extrêmement, enfin, extrêmement spécifique, mais qui peut manquer. Hein, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'image en miroir que je remets en cause le ST+. Donc, image en miroir, signe de grande valeur, mais qui n'est pas obligatoire non plus. Très bien. Parfait. Alors, à côté de cela, il peut y avoir malheureusement des atypies qui rendent le diagnostic un petit peu difficile exactement. Alors, comment le tableau clinique peut être atypique? Une douleur épigastrique. Douleur. Exactement. Donc, ça peut être une atypie par on va dire, entre guillemets, l'atypie clinique. L'atypie clinique peut concerner, par exemple, le siège et le type de la douleur. La douleur peut être épigastrique, voire même abdominale, épigastrique. Alors là, il faut se méfier des douleurs épigastriques, des douleurs abdominales, surtout, pas tout le monde, hein, mais surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque. C'est-à-dire que cette douleur épigastrique n'aura pas la même suspicion devant un jeune qui a 28 ans, qui n'a aucun facteur de risque, et devant un homme de 60 ans, fumeur, diabétique, hypertendu, obèse, etc. Donc, toute douleur épigastrique ou même abdominale chez un patient qui a des facteurs de risque doivent suspecter un syndrome aigu et doivent faire pratiquer un ECG. Bien. Alors, pourquoi cette douleur épigastrique ou abdominale? Elle est un petit peu plus fréquente dans les infarctus inférieurs ou postéro-inférieurs. Alors là, je vous dessine un petit peu ici le cœur. Je vais peut-être effacer, juste là, c'est pas la peine que je prenne le tableau blanc.
le cœur un petit peu de profil. Voici le cœur de profil. Là, c'est la paroi thoracique. Là, c'est l'abdomen. Et là, c'est le diaphragme. Hein? Là, on est de profil. Hein? Voilà, ça, c'est le VG, les parois. Donc, là, vous avez la paroi antérieure qui est là. Là, c'est l'apex, n'est-ce pas? Et là, c'est la paroi inférieure, inféro-postérieure. En fait, c'est la paroi dite aussi postéro-diaphragmatique. Alors, pourquoi on l'appelle postéro-diaphragmatique? Parce que, remarquez, elle repose sur le diaphragme. Voilà. Le diaphragme qui se situe au niveau un petit peu de l'épigastre, hein, qui sépare la paroi thoracique, la cavité thoracique, la cavité abdominale. Et quand c'est cette partie qui est touchée par l'ischémie, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la douleur est volontiers épigastrique, n'est-ce pas? Parce que c'est la partie inférieure du VG, voire même abdominale. Donc, toujours, toujours, méfiez-vous des atypies cliniques. Et l'une des atypies cliniques, c'est que la douleur va être de type épigastrique, voire même abdominale. Comment ne pas tomber dans le piège? Eh bien, c'est faire un ECG chez tout patient présentant une douleur abdominale quand il a des facteurs de risque. Bien. Alors, deuxième atypie, c'est quand la douleur est complètement absente. C'est possible que la douleur soit absente. Alors, bloc pené, pas vraiment, parce que bloc pené, c'est quelque chose qui survient vraiment à l'effort. Hein, voilà. C'est un blocage de la respiration à l'effort. Voilà. Donc, bloc pené, c'est l'équivalent d'engorge peut-être à l'effort. Ils n'ont pas un... Bien. Alors... maintenant en sourdine. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon micro? Allô, allô? Est-ce que le son a été rétabli? Oui. Oui. Parfait. Très bien. Alors, deuxième atypie, peut-être un petit peu plus trompeuse que la première, c'est que c'est que la douleur peut être complètement absente. Alors, pourquoi la douleur est complètement absente? Diabétique. Mais exactement, c'est un petit peu fréquent chez le patient diabétique. Ouais, ouais. Pourquoi c'est fréquent chez le patient diabétique? Ben parce que le patient diabétique, avec l'évolution de son diabète, va faire des complications exactement de la microcirculation. Et parmi les complications de la microcirculation, c'est la neuropathie diabétique qui va un petit peu lui bouffer hein, les nerfs sensitifs surtout. C'est pour ça que les diabétiques, par exemple, sentent des paresthésies. Ils commencent à sentir des paresthésies au des membres inférieurs, ensuite les membres supérieurs. Donc, il va y avoir une atteinte suite au diabète de la sensibilité, si bien que finalement, ils sentent moins bien la douleur. Et donc, je peux avoir un authentique ST+, avec une artère qui est complètement fermée, avec une ischémie sévère transmurale, mais sans traduction clinique. Le diabète n'est pas la seule situation. Ben, ce défaut de sensibilité peut être aussi fréquent. Sujet âgé. Exactement. Il est fréquent aussi chez la femme. Les atypies, que ce soit l'atypie de la douleur ou l'absence de la douleur carrément, est plus fréquente chez la femme. Donc, femme, sujet âgé et sujet diabétique sont des facteurs augmentant le risque qu'il n'y ait pas du tout de douleur ou qu'on ait un infarctus complètement dit silencieux. Alors, ça veut dire quoi, silencieux? Ça veut dire qu'il n'y a pas de traduction clinique. Là, comment faire le diagnostic? S'il n'y a aucun signe, l'ECG de choc. Les complications. On cherche d'autres signes, comme une dyspnée. Docteur, on vous entend pas. Thank you.
Mon micro est désactivé, donc ça. Docteur. Allô, allô, là, vous m'entendez? Oui. Là, c'est bon? Oui. Oui. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Bien, alors je disais que j'ai failli vous parler avec la langue des signes. Là, vous m'entendez, c'est bon? Non, le son est mauvais, docteur. Bien, alors je vais peut-être une autre solution. Allô? Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, là, c'est beaucoup mieux? Oui. Oui, ouais, parfait. Alors, on continue. Donc, je disais que par moment, on peut faire carrément un infarctus atypique, c'est-à-dire sans douleur. Alors, à ce moment-là, comment peut-on faire le diagnostic dans ce cas-là? Syncope, état de choc. Oui, mais syncope, état de choc, c'est quoi finalement? Des complications. Mal tolérance. Des complications. C'est des complications. Et donc, malheureusement, on peut passer à côté. Donc, ça, c'est une éventualité. C'est une éventualité qui reste malheureusement fréquente. C'est un infarctus passé à côté parce que l'infarctus est complètement silencieux. Mais des fois, on peut quand même rattraper le diagnostic, des fois un petit peu tardivement, suite à l'apparition d'une complication. Alors, cette complication peut être de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, une insuffisance ventriculaire gauche avec un OAP. Donc, là, il y a eu un ST+. ST+, qui est passé inaperçu parce qu'il n'y a pas eu de traduction clinique. Donc, il n'y a pas eu de raison pour qu'on fasse un ECG et qu'on puisse le diagnostiquer. Il s'est compliqué d'insuffisance ventriculaire gauche aiguë. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va avoir juste la traduction de la complication qui est l'OAP. Voilà. Alors, on peut prendre le problème en inverse. Si vous recevez un patient et qui a un OAP, qu'est-ce que vous devez faire? Éliminer. Déjà traité, parce que l'OAP, c'est une urgence, c'est-à-dire donner de l'oxygène, donner des diurétiques, donner des dérivés nitrés. Ensuite, vous devez absolument rapidement faire quoi? Enregistrer un ECG. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que l'OAP peut être juste la partie émergée de l'iceberg. Mais qu'est-ce que cache l'OAP finalement? Il cache un ST+. Vous suivez ou pas? Voilà. Ouais. Alors, pourquoi il y a eu un ST+? Parce que, écoutez, on est passé à côté. Parce qu'il y a eu soit une douleur atypique, soit un ST+, carrément silencieux. D'accord? Alors, deuxième circonstance de diagnostic possible, et là, elle est fréquente un petit peu chez le diabétique, ça va être quoi? Le déséquilibre. Alors, déséquilibre, c'est mieux du diabète. Voilà. Donc, le ST+, peut passer inaperçu car il n'y a pas de traduction clinique. Ça va constituer un stress, et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le patient va déséquilibrer son diabète. Donc, vous recevez un diabétique qui fait un coma acido-cytosique, par exemple, un coma acido-cytosique, et qu'est-ce qui se passe finalement? Coma acido-cytosique, il est inconscient, vous pouvez l'interroger, et si on ne fait pas un ECG, bon, on peut ne pas redresser le diagnostic. Donc là, on va prendre le problème par la fin, hein, pareil. Si vous recevez un diabétique, le diabète, c'est déjà un facteur de risque.
surtout s'il est âgé, surtout s'il est indemnité. Et s'il fait un déséquilibre inexpliqué, qu'est-ce que vous devez faire comme examen? Un ECG toujours à la recherche d'un ST+. C'est bon? Oui. Oui, parfait. Donc, voilà quelques circonstances où la présentation clinique peut être atypique, auxquelles il va falloir être extrêmement vigilant. Je les résume. Donc, penser à un ST plus ou un saphon aigu chez un patient qui a des facteurs de risque et qui fait une douleur abdominale ou épigastrique. Penser à un saphon aigu ou un ST plus chez un patient qui fait un OAP. D'accord? Donc, tout le temps après un OAP, il faut faire un ECG. Ça peut être une complication d'un saphon aigu. Et penser à un ST plus devant un patient devant un diabétique qui fait un déséquilibre inattendu. Très bien. Donc, par la suite, vous allez faire l'ECG suite à des situations, que la blessure soit typique ou pas. Et qu'est-ce qu'on doit rechercher? Bien sûr, évidemment, on doit rechercher la fameuse N2-PAD. Exactement. Alors, N2-PAD peut être précédé, n'est-ce pas, de quoi? D'endothé extrêmement ample et pointu, qu'on appelle ischémie sous endocardique, si vous vous rappelez. Alors, en fait, ces ondes de T extrêmement pointues, amples et symétriques, non, sont le stade hyper précoce du ST+. Donc, ce n'est pas un signe du ST-, c'est un signe du ST+, sauf qu'on a été tellement précoce qu'il n'y a pas eu encore le décalage. Et cette onde T positive pointue va être rapidement suivie d'un sus décalage. Voilà. Le diagnostic est basé sur le sus décalage. Ensuite, si on ne fait rien, comment ça va évoluer électriquement? Ou s'il y a un retard de prise en charge? Alors, docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter le mécanisme par lequel ce saphon aigu ST peut donner un OAP? Je vais le répéter tout à l'heure. Pourquoi il est silencieux chez la femme? Je ne sais pas. Vous savez très bien que les femmes, c'est un peu compliqué. Bien, on ne sait pas, on n'a pas la réponse à ça. Bien, l'OAP, je vais le résumer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment va se faire l'évolution électrique du ST+? Oui. Est-ce que je suis en train de parler tout seul depuis tout à l'heure? Non. D'accord, très bien. Répondez à celle qui a dit non, réponds à la question. Comment va se faire l'évolution électrique? Onde Q, exactement, bravo. Voilà. Si on ne fait rien, ce qui menace le myocarde, là, c'est la nécrose. Et c'est une nécrose définitive, irréversible. C'est la menace à laquelle on doit absolument parer, on doit absolument éviter. Et cette nécrose va se manifester sur l'électrocardiogramme sous forme de quoi? Donc, si on ne fait rien, il va y avoir creusement d'une onde Q pathologique de nécrose qui va devenir de plus en plus profonde. Voilà. Avec, par la suite, à distance, une journée, deux journées après, régression du sus décalage. Et là, c'est le stade de séquelle. Voilà. Alors, comment expliquer cette nécrose? On croit que quand il y a une nécrose d'un territoire, celui-là va devenir complètement inerte, fibrosé, inerte sur le plan électrique. Et donc, la dérivation qui fait face ne capte plus rien. C'est comme un trou électrique. C'est du myocarde qui n'est plus fonctionnel, c'est comme un trou électrique. Qu'est-ce qui se passe alors? Cette dérivation va en fait capter l'activité de la paroi contralatérale, c'est-à-dire qui fait face. Celle-ci va capter un QRS, mais comme celle-ci est dans l'autre côté, elle va capter le QRS inversé sous forme d'une onde Q de nécrose. Voilà. En fait, l'onde Q de nécrose, c'est la dérivation qui fait face à la nécrose, capte à travers ce trou électrique, c'est devenu un trou électrique, la paroi contralatérale. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire, pour un petit peu expliquer, essayer d'expliquer les choses. Bien. Et donc, une fois fait, alors je répète juste la notion de l'OAP. Alors, l'OAP, c'est l'une des circonstances de découverte, on va dire, d'un ST+, au stade de complication.
Alors, ça arrive souvent quand il n'y a pas de douleur, hein, dans l'infarctus silencieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un ST+. L'ST+ est silencieux, donc pas de douleur clinique, je ne fais pas de CG, il n'y a pas de raison, la personne a pas mal, et le diagnostic est retardé. Le diagnostic, enfin le ST+, peut se compliquer d'un sens ventriculaire gauche, et donc ça va me donner un OAP. Voilà. Très bien. Et donc, le patient finalement finit par consulter. Il ne consulte pas pour une douleur thoracique, il consulte pour un œdème aigu du poumon. Bien. Maintenant, nous, on ne connaît pas le patient. Nous, on est de garde. Voilà. Et on reçoit quoi? Un patient qui fait quoi? Un OAP. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord le soulager, n'est-ce pas? Donner de l'oxygène, des dérivénitrés, hein, du lasilix, soulager son OAP. Ensuite, il faut se poser la question, pourquoi ce patient a fait un OAP? Voilà. Donc, on doit chercher la cause, et parmi les causes les plus fréquentes, ça va être le ST+. D'accord? Et donc là, le patient est sous notre main, on ne doit pas passer à côté, même s'il n'a pas de douleur thoracique. Et qu'est-ce qu'on fait? La règle est toujours, toujours, après un OAP, faire un ECG. Voilà. Pourquoi un ECG? C'est un petit peu, ça rentre dans la recherche de la cause, dans la plus fréquente, ça va être le ST+, ou même un ST-. C'est bon? Est-ce que cette notion a été bien comprise? Parce qu'elle me paraît essentielle. Alors, pourquoi elle me paraît essentielle? Parce qu'on peut faire l'erreur suivante, c'est que je reçois un patient qui a un OAP, mais que cet OAP est lié à un ST+ silencieux. Je traite, je soulage l'OAP, hein, et quand le patient va mieux, il faut écouter, vous êtes beaucoup mieux, allez, rentrez chez vous. Là, c'est une erreur ou pas? Ben là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je suis passé à côté d'un ST+. J'ai traité les conséquences, hein, sans m'occuper de la cause. C'est bon? Bien, allez, on progresse. Là, ensuite, après ça, oui, vas-y. S'il vous plaît, pour l'onde-queue de nécrose, dans quelle dérivation? Ah, ça, c'est une bonne question. Dans quelle dérivation on va l'avoir, c'est ça? C'est ta question, oui. Je la complète. Eh bien, tu vas l'avoir dans le territoire qui est en train d'infarcir, c'est-à-dire dans le territoire où il y a le sus-décalage. Donc, si j'ai un sus-décalage en D2, D3, VF, ça correspond à quel territoire, Reda? D2, D3. Un VF, quel territoire? Le postéro-inférieur. Postéro-inférieur, effectivement. Alors, si je ne fais rien, si je ne suis pas efficace, si je n'ai pas revascularisé, eh bien, avec à la longue, il va y avoir une onde-queue de nécrose dans le même territoire. Et si je ne fais rien aussi, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le territoire va se nécroser. C'est bon? Donc, c'est-à-dire dans le même territoire qui est ici? Oui, dans le même territoire, exactement. Mais l'onde de nécrose n'apparaît pas spontanément. Hein. Il lui faut du temps. Elle apparaît au bout de la 6e à la 12e heure, par exemple. D'accord? D'accord, merci. Voilà, je t'en prie. Bien, allez, on continue. Donc, après, quelle va être notre prise en charge après le diagnostic? Oui? Docteur, s'il vous plaît. Oui? En moyenne, après combien de temps du début de l'ischémie, on aura une IVG? Premièrement, ce n'est pas une nécessité d'avoir une IVG. Donc, tout ST+ ne se complique pas d'IVG. Voilà. D'accord? Alors, deuxièmement, il n'y a pas de délai fixe. Tu peux avoir une IVG dès la première heure, comme tu peux avoir une IVG retardée à 6e heure, 12e heure, 24e heure. Donc, il n'y a pas de règle. Premièrement, tout ST+ ne se complique pas d'OAP d'IVG, à gauche, et l'apparition d'IVG est extrêmement, le délai d'apparition d'IVG est extrêmement variable. Très bien. Alors, avant la conduite à tenir, je passe à la deuxième atypie. Donc, on a vu un petit peu les atypies cliniques, les formes atypiques cliniques liées à quoi? Soit à une douleur atypique, soit carrément à l'absence de la douleur. À côté de cela, il peut y avoir des atypies électriques. Alors, atypie électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artère est fermée, n'est-ce pas? Donc, si l'artère est fermée par un thrombus, c'est que c'est un ST+, mais que ça ne se traduit pas par le sus-décalage franc. Alors, pourquoi ça arrive? Ça arrive très souvent, quand on a un bloc de branches.
Et c'est surtout celui qui nous pose le plus de problèmes, c'est surtout le bloc de branche. Ah non, je vais trouver la planche, le bloc de branche gauche. Voilà. Alors pourquoi? On va le voir peut-être cet après-midi quand on fera les blocs de branche, parce qu'il faut qu'on les fasse cet après-midi. Hein. Alors, quand il y a un bloc de branche gauche, un BBG complet, ben, la dépolarisation du VG est complètement perturbée et tout le VG est excité de proche en proche. Bien. Et quand la dépolarisation est perturbée, ben, ça gêne la repolarisation. Et si le bloc de branche gêne la repolarisation, eh ben, il va masquer le sus décalage. Et donc, le bloc de branche, c'est une anomalie électrique qui peut être préexistante, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, qui va faire quoi finalement? Qui va me masquer, me gêner, voilà, pour voir le sus décalage. Alors, ça devient plus compliqué quand finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est l'infarctus lui-même qui provoque un bloc de branche. Le ST+ peut provoquer un bloc de branche. Pourquoi? Parce que les branches, notamment la branche gauche, est irriguée par les artères coronaires. Et donc, quand il y a une IVA qui se bouge, par exemple, et une ischémie sévère transmurale de la partie antérieure, y compris de la branche gauche, ce qui peut provoquer un bloc de branche dit ischémique. Bien. Alors, ceci gêne considérablement et je peux avoir un patient. Donc là, c'est le contraire hein, de la première atypie. Je peux avoir un patient qui consulte. Voilà. Il consulte pour une douleur thoracique, n'est-ce pas? Voilà, là, il est en train de se tenir le thorax. Douleur thoracique. Alors, constrictive, récent latrinitrine, souvenant au repos. Donc là, je considère que ça sert qu'on a un aigu. N'est-ce pas? Je lui fais un ECG dans les 10 minutes. Qu'est-ce que je trouve à l'ECG? Je trouve un bloc de branche gauche. J'ai mal dessiné le bloc de branche gauche, ça va être ça. Voilà. En V6, par exemple, je suis un BBG. Et là, je suis gêné parce que le bloc de branche gauche peut me gêner pour voir le décalage du segment ST. Qu'est-ce qu'on fait? Quand le bloc de branche est présumé récent, je considère que c'est un ST+. Je préfère considérer par excès que c'est un ST+, que passer à côté d'un infarctus. Voilà. Et donc, deuxième règle, une douleur thoracique angineuse, hein, enfin, douleur de la sacrone aiguë, avec à l'ECG un bloc de branche gauche présumé récent, voilà, ben, doit être considéré comme un ST+, jusqu'à preuve du contraire. Bien. Voilà. Ça, c'est la principale atypie électrique. Donc, il faut se méfier aussi. Méfiez-vous des infarctus silencieux. Méfiez-vous également des infarctus sur un bloc de branche gauche. Donc, dans le doute, je préfère quand même considérer que c'est un ST+, bien que par la suite, dans ma vascularisation, je préfère aller plutôt vers une angioplastie primaire qui permet un petit peu de confirmer le diagnostic. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, parfait. Alors, si c'est bon, on passe à la conduite à tenir. Donc, voilà. Vous remarquez que je passe directement à la conduite à tenir hein, parce que là, il y a urgence. Hein. Bien. Donc, on va quand même examiner notre patient et l'examen clinique, comme dans le ST moins, est normal. Normal, sauf s'il y a une complication, un diagnostic différentiel. Et là aussi, il faut qu'on examine le patient. Là, assez rapidement, on ne va pas mettre une demi-heure, le temps presse. On va quand même examiner le patient. Voilà. À la recherche de quoi? Deux éléments importants. Premièrement, des signes de complication. Hein, et deuxièmement, un diagnostic différentiel, voilà, comme une dissection aortique, etc. Ou autre. Mais dans la plupart des cas, l'examen clinique va être normal. Très bien. Alors, ça, je vais laisser pour prise en charge. Très bien. Donc, à votre avis, quelles vont être les étapes de la prise en charge du ST+? Allez-y. Oui, parlez. L'hospitalisation en unité de soins intensifs. Très bien. Donc, voilà, parfait. Alors, rappelez-vous, quand on a fait le ST-, n'est-ce pas? Eh bien, la prise en charge était un petit peu subdivisée en deux étapes. Une étape initiale. Hospitalisation. Une étape, voilà, ultérieure. Donc,
L'étape initiale était la mise en condition et le traitement initial, comme les anti-agrégants, etc. Et puis, la deuxième étape, c'était la stratification du risque pour savoir si on doit adopter soit une stratégie conservatrice, c'est-à-dire en continu de traitement, soit une stratégie invasive s'il s'avère que c'est un patient à haut risque. On est d'accord? Oui. Oui, très bien. Alors, même dans le ST+, on va également passer par deux étapes. Une étape initiale, je ne vais pas la gommer, c'est la même. Une étape par la suite, ultérieure. Sauf que l'étape ultérieure ici, ça ne va pas être la stratification du risque, ça va être la revascularisation en urgence. D'accord? Bien. Et on va expliquer pourquoi. Donc, l'étape initiale va être un petit peu semblable à celle du ST-. Alors, pourquoi elle est semblable? Parce que remarquez une chose, c'est un petit peu la même physiopathie initiale. Donc, rupture de plaque, formation d'un thrombus plaquettaire et puis formation d'un thrombus fibrino-cruorique. Sauf que dans ce cas-là, ben, le thrombus est complètement occlusif. C'est bon? Complètement occlusif. Occlusif, c'est un thrombus. Bien. Et donc, là, pareil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner. Un quoi? Ben, la double anti-agrégation plaquettaire. Donc, aspirine et clopidogrel. Pareil, avec pareil, dose d'attaque et dose d'entretien. Donc 375. Rappelez-vous des deux chiffres, 300 et 75 pour vous deux. Quoique dans ST+, si on fait une angioplastie, on peut donner plus de Plavix. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Et puis on va donner de l'héparine. Voilà, pareil, pour la même. Voilà, c'est pratiquement le même traitement anti-thrombotique. Bien. Donc, prise en charge du ST+, ça passe par la médication initiale à donner en extrême urgence, qui associe traitement antithrombotique avec une double anti-agrégation plaquettaire, dose d'attaque dans l'entretien et traitement anticoagulant. À base de quoi traitement anticoagulant? Pareil, HPPM. HPPM à dose curative. Ou la héparine non fractionnée. Là ou l'autre. Bien. Donc, pardon? Combien de temps? On va voir combien de temps. On va voir. D'accord? Bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donné dans ST-? Rappelez-moi. Anti-ischémique. Voilà, parfait. Est-ce qu'on donne le traitement anti-ischémique dans ST+? Non. Pourquoi non? Oui. Parce qu'on va revasculariser. Voilà, exactement. Donc, ce n'est pas une nécessité. On n'est pas obligé de donner ça. Pourquoi on n'est pas obligé de donner ça? Parce que finalement, on va supprimer dans quelques instants, on va essayer de supprimer dans quelques instants cette ischémie. Donc, je ne vais pas traiter quelque chose que je vais supprimer par une autre méthode quelques instants après. Ça ne va pas être logique. Et donc, on ne va pas donner ni dérivé nitré, ni bêta-bloquant. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Voilà. Le traitement initial principal du ST+, ça va être quoi? Ça va être le traitement juste antithrombotique. Oui? Donc, même si on donne des anti-ischémiques, je pense pas que ça va être efficace. Voilà, exactement. Plus, par exemple, les dérivés nitrés ne seront pas efficaces. Pourquoi les dérivés nitrés ne seront pas efficaces? Parce que l'artère est complètement bouchée. Voilà. Les bêta-bloquants peuvent être efficaces quand même parce qu'ils réduisent un petit peu la demande, hein, même si ça n'augmente pas les apports. Mais on va dire que dans ce contexte où je vais revasculariser rapidement, ben, ce n'est pas une obligation. Donc, je ne donne pas. Question, est-ce que je donne un antidouleur, un antalgique? Non. Non, alors pourquoi non? Aujourd'hui. Si je donne le traitement antithrombotique et anti-ischémique, la douleur s'arrête spontanément? Non, alors ce n'est pas pour ça, au contraire. Non, du coup. Pour évaluer l'efficacité du traitement. On ne donne exactement. Pas. Donc, premièrement, j'avais dit qu'on ne donnait pas de traitement anti-ischémique. Voilà. Alors, pourquoi on préfère ne pas donner de traitement antalgique? Pour une certaine raison, c'est que la deuxième étape consiste à revasculariser, n'est-ce pas? Hein? Et puis, il faut quand même que je puisse un petit peu
évaluer ma revascularisation. Est-ce que j'ai été efficace ou pas? Alors, si je suis efficace, qu'est-ce qui se passe finalement? Si je suis efficace, la douleur va céder. C'est-à-dire, si je suis dans la revascularisation, je vais supprimer l'ischémie. Et si je supprime l'ischémie, je vais supprimer cette réduction clinique qui est la douleur. Donc, la douleur est un élément de surveillance de l'efficacité de la revascularisation extrêmement important. Donc, je ne vais pas la traiter parce que finalement, si je la soulage avec des antalgiques, avec des opiacés, je ne pourrai pas savoir si la disparition de la douleur est le fruit du médicament ou le fruit de ma revascularisation. Alors, sauf si vraiment, vraiment la douleur est intense, insupportable, ben là, on est un petit peu obligé, on ne va pas laisser quand même le patient souffrir le martyre. Mais si elle reste supportable dans un premier temps, je préfère la respecter et plutôt la soulager, on va dire, la soulager par la revascularisation. C'est bon? Alors, bien sûr, il faut stabiliser le patient, hein, la voix d'abord, monitorage du rythme cardiaque extrêmement important de ST+, du rythme extrêmement fréquent à la phase aiguë, voix d'abord, les appendices artériels, de bras, enfin, toute la mise en condition qu'on a détaillée et qu'on ne va pas forcément refaire en détail. C'est bon? Bien, avant la revascularisation, donc résumons-nous, hein, parce que je vois qu'il y a peut-être une confusion entre la discussion. Donc, avant la revascularisation, on va proposer un traitement initial qui est tout simple, là, qui est essentiellement fait de quoi? Ben, d'une double anti-agrégation plaquettaire, d'ostatactes s'entretient, et d'un traitement anticoagulant à base d'héparine. Voilà. Et puis, on ne perd pas de temps, hein, juste après ça, qu'est-ce qu'on fait? Revascularisation. Ouais. Oui, et petit Sam. S'il vous plaît, et pour les statines. Ouais, on peut les donner. Voilà. C'est pas, voilà. Là, l'urgence est telle que ça passe un petit peu au second plan. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Alors, tu as remarqué que je suis en train de supprimer, je garde uniquement l'essentiel. Pourquoi je garde uniquement l'essentiel? Ben, c'est pour ne pas retarder la revascularisation. Je peux les donner les statines, même à forte dose initiale, après la revascularisation. Je ne dois pas retarder ça. C'est bon? La revascularisation. Ah, la revascularisation, c'est l'essentiel du traitement du ST+, n'est-ce pas? Et qui doit être précédé quand même par la double anti-agrégation plaquettaire et par l'héparine. Bien. Alors, juste une petite remarque. Je pense qu'il était. Alors, là, vous m'entendez? Oui. Mais est-ce que le son est mieux? Oui, maintenant. La qualité du son est meilleure, hein? Oui. D'accord, très bien. Parfait. Donc, je disais que rien ne doit retarder la revascularisation, ça on l'a bien compris, mais que je dois préalablement quand même donner mon traitement antithrombotique. Alors, ce traitement antithrombotique est d'autant plus efficace qu'il est admis, qu'il a été donné précocement. Voilà. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut donner le plus rapidement possible après le diagnostic. Et là, vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste, d'être un cardiologue pour pouvoir le donner. Voilà. Normalement, tout médecin doit savoir bien diagnostiquer un ST+, et donner au moins le premier traitement antithrombotique, aspirine, clopidogrel, héparine. Pourquoi? Parce que la revascularisation par la suite peut nécessiter d'autres moyens que vous n'avez pas. Donc, vous devez peut-être transférer le patient en cardiologie. Ça ne vous empêche pas de lui donner de l'aspirine, clopidogrel et de l'héparine. Pourquoi cela? Pourquoi c'est important? Parce que plus on les donne précocement, plus ils seront efficaces. Donc, ne dites pas, si vous êtes, par exemple, un généraliste ou un spécialiste d'une autre spécialité, que vous recevez un ST+, ben, j'ai fait le diagnostic, c'est bien, je vais l'envoyer en cardiologie et on va tout lui donner, on va bien le prendre en charge. Ben non, faites-lui gagner du temps et donnez-lui au moins le traitement antithrombotique initial. Bien. Alors, par la suite, on va revasculariser, exactement, et revasculariser par quoi? Alors là, il faut qu'on définisse un petit peu quelques délais. Hein. Bien. Très bien.
Alors, on va revasculariser par quoi? Mais avant de répondre à cette question, il y a une qui est plus intéressante. On revascularise qui? Est-ce qu'on revascularise tous les patients? Ceux qui n'ont pas une contre-indication. Très bien, oui, bon, on verra après les contre-indications. Est-ce qu'on revascularise tous les ST? Les ST plus. Oui, très bien. Donc, une revascularisation, ce n'est pas rien. Hein, donc, ça peut avoir son lot de complications aussi. Il faut vraiment qu'elle soit bénéfique. La question est, je reviens. Aïe. Est-ce que tous les patients qui font un ST plus profitent de la revascularisation? Selon le délai de la nécrose. Exactement. Selon le délai. Alors, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. La chose suivante et la suivante. Annotation. Voilà. Très bien. Ça veut dire que j'ai une artère qui s'est fermée. Voilà. Et que le territoire qui dépend de cette artère est en train de se nécroser. Et donc, je dois revasculariser le plus rapidement possible. Mais si le patient se présente tard, s'il vient trop tard, c'est-à-dire au lieu de se présenter à H1, il vient à H72, c'est-à-dire 3 jours après. C'est pas la peine de le revasculariser. Ah, bah écoutez, ça peut ne pas valoir la peine. Ça peut ne pas valoir la peine. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être complètement nécrosé. Oui. Et s'il a complètement nécrosé, je reperméabilise l'artère, mais ça n'aura servi à rien. Alors, pourquoi ça sert à rien, finalement? Parce que le tissu est complètement nécrosé, le tissu est complètement mort, et que vous arrosiez un tissu mort, si vous arrosez un arbre mort, ça ne va pas le faire revivre. Ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Et là, c'est perdu définitivement. Voilà. Et donc, on ne fait pas une revascularisation systématique si le myocarde est présumé complètement nécrosé. Et donc, cette revascularisation se discute systématique, d'une manière systématique, hein, se discute dans un délai. Et ce délai, c'est par rapport au diagnostic ou là par rapport au début de la douleur, à votre avis? Début de la douleur. Oui. Exactement. Oui. Et donc, ce délai est fixé un petit peu hein, à 48 heures. 48 heures. Voilà. C'est-à-dire, au bout de 48 heures, la plupart des patients ont un myocarde complètement nécrosé. Auquel cas, ça ne sert à rien d'aller revasculariser du myocarde déjà perdu. Pire encore, ça peut avoir des complications, par exemple la thrombolyse, sans que ça apporte un bénéfice. C'est bon? Oui. Ouais, donc, revascularisation systématique uniquement hein, quand le patient se présente, le diagnostic est fait dans les 48 heures par rapport au début de la douleur. Très bien. Alors, mais après 48 heures, c'est complètement nécrosé. Non. Certaines patients, exactement. Peu de chance. Voilà, exactement. Certaines patients gardent quand même ce qu'on appelle de la viabilité. Et pour cela, ça vaut la peine. Maintenant, le délai de 48 heures. Hein, 48 heures, c'est quoi finalement? C'est un délai de revascularisation systématique, ou je parle de systématique, c'est-à-dire que je revasculise tout le monde, tous les ST+. Voilà. S'il vient à moins de 48 heures du début de la douleur, je revascularise. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le patient. Après les 48 heures, pourquoi chez tout le patient? Parce que là, vous avez de fortes chances hein, de trouver encore du tissu qui ne s'est pas nécrosé. Voilà. Par contre, passer les 48 heures, la chance est faible. Et si la chance est faible, ça ne sert à rien de le faire chez tout le monde. Je vais le faire chez qui? Juste, je vais cibler les patients, une partie, qui garde la viabilité. Donc, on fait un écho. Exactement. Et donc, exactement. Qui parle? Amira. Amira, tu es en forme aujourd'hui. Hein?
Oui, alors on fait une écho de stress ou autre chose, mais on fait ce qu'on appelle une recherche de viabilité. Alors, je résume. Avant les 48 heures, on a de fortes chances de sauver et donc on va aller revasculariser assez tout le monde. Après les 48 heures, les chances deviennent très faibles et donc là, on doit cibler une population juste de patients qui gardent la viabilité. Je répète encore une fois parce que sinon c'est important. ST+, avant 48 heures, je revascularise tout le monde. ST+, qui se présente après les 48 heures, je revascularise uniquement ceux qui gardent une viabilité. C'est bon? Non. Est-ce que c'est bon? Docteur. Oui. Oui, très bien. Alors, vas-y. Et si notre ST+, était silencieuse au début, comment savoir? Comment savoir? Ça, c'est une autre méthode, on va dire. Donc là, il y a d'autres méthodes. Généralement, dans le doute, on revascularise, si c'est silencieux. Monsieur, ouais. On peut avoir la sidération myocardique. Comment on peut savoir s'il y a de la viabilité? Non, ce n'est pas de la sidération, c'est de l'hibernation. La sidération, c'est quand on revascularise. On revoit un petit peu ce qu'on a fait sur la sidération et ce n'est pas pareil. Bien. Alors, la sidération, c'est quand l'artère est reperméabilisée et que le myocarde ne récupère pas encore parce qu'il est sidéré. D'accord. Voilà, ça, c'est de l'hibernation. Très bien. Bien, avant alors... Avant la réalisation, c'est de l'hibernation. Oui, dans ce cas-là, c'est de l'hibernation. Très bien. C'est-à-dire, ils ne reçoivent plus de sang. Qu'est-ce qu'ils font? Pour durer au maximum dans le temps, ils hibernent. Oui. Très bien. Donc, après les 48 heures, qu'est-ce qu'on fait? On cherche de la viabilité. Et la question que j'avais envie de poser, c'est que comment rechercher la viabilité, justement? Écho de stress ou scintigraphie du stress. Très bien. Alors, il y a une méthode encore plus simple. Le CG. La plus simple, ce n'est pas le CG, non? La douleur. C'est la clinique, exactement. La première, c'est la persistance de la douleur. Alors, pourquoi? Parce que quelque chose qui est mort ne fait plus mal, n'est-ce pas? Il n'a plus de sensibilité. Donc, si le patient a toujours de la douleur thoracique, c'est quelque chose, c'est qu'il y a du myocarde qui souffre. C'est qu'il y a du myocarde vivant, puisqu'il fait mal. D'accord? Et donc, la première preuve de viabilité est une preuve clinique. Liée à quoi? La persistance de la douleur. Question, quand vous recevez un patient qui a fait un ST+ de plus de 48 heures, qu'est-ce que vous allez lui faire? On demande si la douleur persiste ou pas. Est-ce que tu as toujours mal? Si lui, oui, mon thorax me fait toujours mal, qu'est-ce qui lui fait mal finalement? C'est son myocarde ischémique. Et ce qui lui fait mal, c'est-à-dire que le myocarde est toujours vivant. Donc on fait revascularisation. Et donc, on fait quoi? Une revascularisation. Exactement. Voilà. Donc, persistance de la douleur au-delà de 48 heures indique quand même la revascularisation parce que c'est une preuve clinique de la viabilité. S'il vous dit par contre, j'ai plus mal, non, la douleur a complètement disparu. Qu'est-ce que vous faites? Écoute. Là, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de la viabilité. Il peut y avoir de la viabilité, mais sans traduction clinique. Donc là, j'ai utilisé des examens complémentaires. Examens complémentaires de trois types. Apprenez ça. Donc, soit l'écho de stress, soit l'IRM cardiaque, soit la scintigraphie myocardique. Voilà. Ces trois examens permettent de faire quoi? Exactement, de un peu démontrer la viabilité. Ouais. Et donc, vous recevez un patient qui se présente dans un tableau de ST+, à plus de 48 heures. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez s'il a mal, si vous dites non, j'ai plus mal, vous lui prescrivez ou bien une scintigraphie, ou bien une écho de stress, ou bien une IRM, n'est-ce pas? Et vous le revascularisez uniquement si ces examens démontrent une viabilité. Monsieur, ces examens peuvent faire la différence entre un myocarde qui est viable ou un myocarde qui hiberne? Parce qu'on a dit qu'il y avait une hibernation, donc il y avait une akinésie. Très bien. Le myocarde qui hiberne, où est le myocarde viable? Dans ce cas-là, c'est la viabilité, hibernation. Dans ce cas-là du ST+,
Et ben, le type de la viabilité, ça va être quoi? Ça va être une hibernation. Une hibernation. Donc, ces examens peuvent faire la différence entre une hibernation et une nécrose. Oui. Exactement. C'est d'accord. Pour cela qu'ils sont prescrits. Maintenant, si le monsieur qui vous a fait la scintigraphie vous dit finalement, ben, il n'y a pas de viabilité, on ne revascularise pas. D'accord. Voilà, très bien. Alors, j'aimerais pas que répondre à Mazino. Mazino, tu poses une très bonne question. Docteur, si le patient vient tard, on aura une autre qu'une nécrose. Bien. Alors, la nécrose électrique ne signifie pas une nécrose totale. Ça, c'est important. Donc, on ne se base pas sur l'onde Q de nécrose. Même s'il y a une onde Q de nécrose, hein, ça ne veut pas dire pour autant que tout le myocarde est nécrosé. Donc, oui. Au sein de cette nécrose, avec onde Q, au sein de cette nécrose électrique, il peut y avoir quand même des tissus vivants, viables, qu'il va falloir essayer de rechercher. Donc, on ne se base pas sur l'onde Q de nécrose pour revasculariser ou pas. Ça, c'est une erreur que même des fois les résidents, j'espère mes sous-riches, font. On se base sur deux critères. Le premier, le délai. Donc, si c'est inférieur à 48 heures au début du ST+, revasculation systématique. Le deuxième, présence d'une viabilité, si c'est au-delà de 48 heures. Viabilité attestée ou bien par la persistance de la douleur ou bien démontrée par les trois examens complémentaires qu'on a cités. C'est bon? Oui. Mais on avait dit l'évolution de l'ECG, on aura une onde Q à partir du deuxième, troisième jour. Donc, mais je suis deuxième jour. Non, sixième heure, j'ai dit. Sixième heure. Mais une onde Q de nécrose est une onde Q de nécrose électrique. Or, l'ECG a une très mauvaise sensibilité pour détecter la nécrose. Il peut vous dire qu'il y a une onde Q de nécrose, mais ça... Finalement, au sein de cette nécrose, il y a toujours des cellules vivantes. Ce n'est pas parce que j'ai une onde Q de nécrose que je veux dire c'est perdu, c'est bon. D'ailleurs, on a comme un exemple. Je peux recevoir un patient génie à 72 heures. Je fais un ECG, je trouve un ST+, mais avec une onde Q de nécrose. Mais, il a toujours mal. On revascularise. Ben, on revascularise. Quand on revascularise, il a toujours mal, c'est une preuve de viabilité. C'est plus sensible que le CG. Ça a pété, là. Ah, tu veux... Ah, c'est un truc pour le gars. C'est bon? Monsieur. Voilà. Lorsque la douleur persiste... Docteur Ibnaïn est venu pour... il est là. Il est venu pour nous donner un petit coup de main pour t'aider. On lui posera les questions difficiles. Oui, vas-y. Monsieur, lorsque la douleur persiste, mm-hmm. on revascularise directement sans faire une écho, etc. Sans faire l'écho de stress, l'IRM et tout. Oui. D'accord. Quand la douleur persiste, après les 48 heures, on revascularise d'une manière systématique. Pourquoi? Parce que déjà, faire une écho va me perdre un petit peu de temps et le temps est précieux. Et parce que j'ai l'information directement du patient, ben, si le patient a mal, s'il sent de la douleur, c'est que c'est vivant. Est-ce que vous croyez qu'un tissu qui est complètement mort peut donner de la douleur? Non. 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 Donc, voilà. Donc, l'un des meilleurs, n'est-ce pas, l'un des meilleurs critères de viabilité ben, restera quoi? Restera la persistance de la douleur. C'est bon? D'accord. Si le myocarde est complètement nécrosé, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah écoute, c'est foutu, les carottes sont cuites. Et qu'est-ce qu'on fait pour le patient? On ne fait rien, on traite médicalement, mais le patient gardera des séquelles. Alors, le myocarde complètement nécrosé, c'est exactement ce qu'on essaye d'éviter avec notre conduite à tenir. En fait, c'est l'étape irréversible. D'accord? Toute la prise en charge du ST+, essaye d'éviter ce cas de figure. Et si le myocarde est nécrosé, ben le patient peut développer des complications par la suite, insuffisance cardiaque. On traitera l'insuffisance cardiaque, bien sûr, mais ben, il vivra toute sa vie en insuffisance cardiaque, il peut même en mourir. Donc, la nécrose définitive, c'est le stade de séquelles, et c'est le stade de séquelles qui irréversible qu'on essaye d'éviter. C'est bon?
Très bien, parfait. Bien, donc premier délai à savoir, délai important, c'est le délai de la revascularisation systématique et ce délai est un petit peu fixé à 48 heures, voilà, voire plus s'il y a preuve de viabilité clinique ou par des examens complémentaires. Délai du début de la douleur. On est bien d'accord. Bien. Maintenant, si on décide de revasculariser, parce que par exemple, le patient est venu dans les 48 heures, n'est-ce pas? Eh bien, par quelle méthode pourrais-je revasculariser? Angioplastie directe. Angioplastie primaire avec ou thrombolyse. Ah, donc, on a deux méthodes. Exactement. On a deux méthodes. On a le choix finalement. Hein. Voilà, je n'ai pas une seule possibilité, mais deux possibilités. À pas les deux en même temps. Hein. C'est l'une ou l'autre. Donc, la première, elle est médicamenteuse. Et elle fait appel aux thrombolytiques. Très bien. Et la deuxième est l'angioplastie primaire. Voilà. Alors, je réponds juste à une question de la discussion. Comment fait la différence entre un myocarde hibernant et un myocarde nécrosé à l'écho? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment faire la différence? Ah, déjà, c'est l'écho de stress. Bien. Alors, un myocarde, je réponds à ça et je reprends. Hein. Un myocarde hibernant, c'est quoi? C'est un myocarde qui s'endort, qui dort parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Il fixe le talion, mais il ne contracte pas. Non, non, ce n'est pas ça. À l'écho, à l'écho. Ah. Et ouais, qui a posé la question? Je compte qui a posé la question. SN. Je vais te reposer la question. Comment faire la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort? Il respire. Il tient les fesses. Il respire. Il respire. Bien. Alors, il y a une manière de le savoir, c'est de le secouer. Le coup. Le réveiller. Le stress. Le réveiller, voilà. Et donc, que va faire le stress? Finalement, il va forcer le myocarde, même hibernant, à bouger, à se contracter. Il va le secouer. Et donc, s'il reprend, ne serait-ce qu'un petit peu sa contractilité, c'est qu'il était vivant. Si malgré la dobutamine, malgré la stimulation, on essaie de le réveiller, il ne bouge pas, c'est qu'il est mort. Je reprends. Je peux répondre à la question. Bien. Alors, oui, mais là, on va avoir quand même des signes. Quand le sus-décalage disparaît, ben celui qui comprendra ce que je suis en train de dire, quand le sus-décalage disparaît, il y a quand même d'autres signes comme la négative ascendante de T et l'entrecul de nécrose. Bien. Allez, je reprends ma revascularisation. J'ai le choix entre deux méthodes, la thrombolyse et l'angioplastie primaire. Sur ça, on est d'accord, elles sont là, hein, l'angioplastie et la fibrinolyse. Et donc, je dois opérer un choix. Alors, d'après vous, je vais choisir quoi? Quel va être d'emblée le meilleur choix? L'angioplastie. L'angioplastie, oui, ça, tu dis ça, mais bon, moi, j'aimerais avoir plus d'arguments sur l'angioplastie. Si, si. C'est possible de faire la revascularisation dans 2 heures. Très bien. Voilà, parfait. 1 heure. Alors, là aussi, ben, c'est très bien, vous avez beaucoup de données, mais c'est un petit peu dans le désordre. On va essayer de redonner tout ça. Bien. Sinon, on va évaluer le bénéfice-risque de chacune. Exactement. Donc, pour pouvoir comparer entre les deux méthodes, fibrinolyse. Les contre-indications et le délai. Et l'angioplastie primaire. Très bien. On va citer pour chacune les bénéfices et les inconvénients. Accélérer la fréquence du pace. Et refaire un calcul calculé. Je fais une hypomanisée, mais dès la 70. Il faut chercher les autres causes. Calculé. Prise médicamenteuse, QT longtemps génital, par exemple. Bien. Donc, alors, quels vont être les inconvénients et les avantages de chacune? Alors, on va remarquer une chose d'emblée, c'est que les avantages, je prends le tableau blanc, hein, c'est mieux. Bien. Les avantages de l'une vont être les inconvénients de l'autre. On va partager et on va pouvoir comparer. Donc là, je suis en train de faire, pour pouvoir choisir, un tableau comparatif entre fibrinolyse ou thrombolyse et angioplastie primaire. Bien. Alors, citez-moi quelques avantages de l'une
et de l'autre, et quels sont les inconvénients? C'est la reperfusion dans les deux heures. On l'a fait pour l'audit. Ah non, ça c'est la conséquence. Invasif et non invasif. Alors, ça c'est la conséquence. C'est pas le... Bien. Alors, vous préférez l'angioplastie primaire, donc on va commencer par un petit peu les avantages d'angioplastie primaire. Le premier, ça va être le taux de succès. Alors, l'angioplastie primaire, un taux de succès supérieur à 90%, ce qui est bien ou pas? Oui, oui, excellent, très bon taux de succès. Hein, dans 4, plus de 90% de cas, je réussis à reperméabiliser. Oui. C'est quoi? Succès, non pas échec. Eh bien, regardez, cet avantage de l'angioplastie primaire va devenir le désavantage de la fibrinolyse, parce que elle, c'est combien? Moi. Dans les meilleurs des cas, 60%. Ou je m'en dans les 40% des cas, il peut y avoir échec à la thrombolyse. Vous voyez? Oui. Vous trouvez un avantage de l'angioplastie primaire, taux de succès élevé. Et un inconvénient de la fibrinolyse, ben, c'est que taux de succès relativement moyen, on va dire. On ne peut pas être méchant. C'est bon? Oui. Oui. Deuxième avantage de l'angioplastie primaire, allez-y. Pas de contre-indication, pas de risque. Pas de contre-indication, exactement. Pas de contre-indication. Alors que la fibrinolyse a plein de contre-indications. Donc, des fois, elle n'est pas utilisable à cause des contre-indications. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Donc, les partage, oui, on va les voir, hein, parce qu'il va falloir les apprendre aussi. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Et les contre-indications, je pense que Dr Mouchin nous a mis planche là-dessus. Elles sont là. Voilà, vous les voyez ou pas? Oui. Oui, voilà, c'est bon? Très bien. Et donc là, vous voyez que la liste est assez longue, hein, c'est pas rien. Et donc, vous avez des contre-indications qui sont absolues et des contre-indications qui sont relatives. Alors, quelle est la différence entre absolue et relative? Absolue, c'est que... C'est strictement interdit de faire une thrombolyse. Exactement, pas d'exception. Voilà. On ne doit pas les transgresser, on doit toujours les respecter. Une contre-indication absolue, hein, encore plus de la thrombolyse, doit être tout le temps respectée. On ne doit jamais thromboliser s'il y a une contre-indication absolue. Ben pourquoi? Parce que c'est un petit peu la mort assurée. Hein. Attends, oui. Ouais, ben là, c'est un petit peu l'hémorragie pratiquement assurée. Voilà. Donc, souvenez-vous de l'AVC hémorragique, hein, une hémorragie cérébro-méningique, quelle que soit son ancienneté. Quelle que soit son ancienneté. Voilà, c'est-à-dire que même si elle est très ancienne, il y a toujours risque de saignement cérébral qui peut être mortel. AVC ischémique, par contre, c'est juste 6 mois. S'il est récent, inférieur à 6 mois, eh bien, c'est une contre-indication. S'il est ancien, ce n'est plus une contre-indication. N'est-ce pas? D'accord. Alors, pourquoi l'AVC moins de 6 mois est une contre-indication alors que plus de 6 mois, il n'est plus? Parce que quand vous faites un AVC, le tissu cérébral est fragile et susceptible de saigner. Après 6 mois, il est pleinement cicatrisé et donc le risque d'hémorragie n'est pas important. Bien, alors on peut citer traumatisme, ulcère digestif en cours avec saignement digestif, etc. Ensuite, vous aurez tout le loisir de les apprendre. Par contre, les contre-indications relatives, comme une HTA non contrôlée, comme un âge avancé, une ponction non compressible, etc., eh bien, peuvent être transgressées dans des cas particuliers. Alors, c'est quoi les cas particuliers? C'est quand le bénéfice attendu de la fibrinolyse est supérieur au risque. Et surtout, quand on ne dispose pas de la deuxième méthode. Voilà, c'est-à-dire, docteur Emilain Chaudra, qui est le résident d'un bateau avec des services civils. Wintra. Le bateau, le gain. Mais le gain, il n'aura pas l'occasion de faire une angioplastie primaire, parce qu'il faut une salle de caté et tout. Et la plus proche salle de caté est très loin. Donc, quand il recevra un ST+, jeune, avec un ST+, antérieur, hein, c'est-à-dire qu'il touche une grande partie, un ST+, méchant, et que ce ST+, a une HTA non contrôlée, il peut quand même juger de thromboliser. Voilà. Parce que premièrement, il ne peut pas faire autrement. Et deuxièmement, vu que l'infarctus est antérieur,
vu que l'infarctus est antérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est de plus mauvais pronostic. Le bénéfice de la fibrinolyse peut un petit peu l'emporter sur le risque. Alors, on ne va pas trop détailler cela, mais on va résumer ce qu'on dit par la phrase suivante. Une contre-indication absolue ne doit jamais être transgressée, toujours respectée. Par contre, une contre-indication relative peut être transgressée si on dispose pas d'une autre méthode et si le bénéfice de la fibrinolyse attendu est tellement grand qu'il est plus important que le risque hémorragique de la thérapeutique. Oui, c'est clair? Oui. Oui. Votre connexion Internet est instable parce que celle m'appelle. Deux secondes, je vais éteindre parce que je suis en train de connecter le portable. À chaque fois qu'il sonne, ça se déconnecte. Et là, je vais. Deux secondes. Je vous laisse réfléchir à la question que je n'ai pas encore posée. Bien, revenons à notre tableau blanc. Donc, on a trouvé une deuxième. Attendez, une troisième avantage, c'était la. Pas de risque hémorragique. Pas de risque hémorragique, effectivement. Très bien, parfait. Nouveau partage. On revient au tableau blanc. Troisième avantage, pas de risque hémorragique, pas de complications hémorragiques. Agda. Alors que la fibrinolyse peut y avoir des complications hémorragiques de la fibrinolyse. Très bien. Alors, dites-moi, c'est quoi le principe de la fibrinolyse au fond? Pourquoi ne pas donner, puisqu'il y a un thrombus, pourquoi ne pas donner juste un traitement anticoagulant? Est-ce qu'un traitement anticoagulant ne peut pas me dissoudre le caillot? La fibrinolyse agit directement et c'est plus rapide. Exactement. Donc, un traitement anticoagulant peut me dissoudre l'artère, le caillou, me repasser l'artère. Ça peut être efficace. Sauf que ça va l'être après une semaine ou plus de 48 heures. Après une semaine, c'est trop tard. Après une semaine, le myocarde est nécrosé. Les fibrinolytiques sont plus agressifs. Ils vont eux-mêmes dissoudre le caillou. Et donc, quel est l'avantage de la fibrinolyse par rapport au traitement anticoagulant? C'est plus rapide. Rapidité d'action, exactement. Rapidité d'action, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que le traitement anticoagulant. Et là, vous comprenez que ça puisse être utile parce qu'il faut le faire avant qu'il y ait nécrose. Et cette rapidité d'action, n'est pas gratuite, apporte son lot de complications hémorragiques. Alors, ça va être un inconvénient de la fibrinolyse et non pas de l'angioplastie primaire. Allez, un dernier avantage de la fibrinolyse et de l'angioplastie primaire. Traite les lésions associées. On peut traiter les lésions associées, mais avant cela. Confirme le diagnostic. Confirme le diagnostic, bravo. Confirme le diagnostic. Alors, pourquoi? Parce que ça permet de voir directement les artères coronaires. Donc, je vais l'écrire. Confirme le diagnostic. Alors que la fibrinolyse, c'est basé uniquement sur des critères cliniques électriques. C'est-à-dire que je présume que l'artère est bouchée, je ne l'ai pas vue, mais je présume que l'artère est bouchée parce que le patient a un mal, parce qu'il y a un sous-décalage. À l'aveugle. Ah, c'est un peu à l'aveugle. Et donc, je peux me tromper. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des sous-décalages d'autres types. Une erreur diagnostique, oui. Voilà, une myocardite. Est-ce que vous arrivez de emboliser des myocardites ou pas? C'est mauvais que ça. Bien. Alors que l'angioplastie primaire permet d'abord de confirmer, de voir, c'est très objectif, c'est très précis, avant de faire l'angioplastie. Et par la même occasion, ça permet aussi de mettre en évidence d'autres lésions coronaires. Donc, je peux par exemple avoir un ST plus en antérieur, lui faire une angioplastie primaire, ça commence par la coro. Je vois que l'IVA est occluse. D'ailleurs, je confirme le diagnostic. Diagnostic confirmé. Mais je peux me rendre compte que finalement, il avait une autre lésion au niveau de la coronaire droite que je peux traiter ultérieurement. Voilà. Donc, dernier avantage,
permet de confirmer le diagnostic et par la même occasion faire un état précis du lit artériel coronaire, chose que ne fait pas la thrombolyse. Monsieur, oui, c'est grave si on thrombolyse une personne qui ne présente pas d'ST+. Qui fait ? C'est grave si on thrombolise une personne qui ne présente pas d'ST+. Non, je suis, c'est grave. Pourquoi ? Parce que finalement, risque hémorragique sans bénéfice. Voilà, on lui apporte un risque hémorragique sans qu'il y ait un bénéfice. On lui apporte aucun bénéfice. Mais alors c'est grave, c'est-à-dire c'est pas grave, c'est un petit peu fâcheux. Mais c'est, oui, c'est pas forcément une erreur. C'est pas notre faute. Ça peut ne pas être notre faute. Je peux avoir un tableau clinique trompeur. Ça me tenait. D'accord, oui. Voilà. Donc, c'est pas... Et les conséquences sur le patient, il n'y aura pas de grandes conséquences, mis à part le risque hémorragique. Bah, oui, mais alors, il y a une contre-indication. Il n'y a pas des moindres. Il y a une un contresens dans ta réponse, c'est que la complication hémorragique peut être grave. D'accord. Voilà. Je me rappelle d'un patient qu'on avait, Diana, on a thrombolisé H1 parce que notre stade cathéter était en panne. Ben, c'était un succès en plus, un succès, mais le patient est mort d'une hémorragie. Vous voyez ? Il est mort guéri de son infarctus, mais il est mort quand même. Vous voyez que ce n'est pas rien, la thrombolyse. Hein, oui. Bien. Docteur. Oui. On donne les fibrilles de ces appels. Non, ben, demain, je fais. Sinon, ça n'a pas de mettre est-ce qu'on joue place première fibrilolytique ou ben, demain. D'accord ? Bien. Alors, mais là, on est en train de comparer. On a trouvé des avantages et des inconvénients. Mais là, on a été hypocrite un petit peu, hein, parce que c'est uniquement les avantages de la l'angioplastie primaire et les désavantages de la fibrinolyse. Avantage de l'angioplastie primaire, succès dans 90% des cas ou plus, pas de contre-indication, pas de risque hémorragique et permet de confirmer le diagnostic et faire un état précis du lit artériel coronaire. Inconvénient de la fibrinolyse, c'est quoi ? Taux de succès moyen, risque hémorragique, peut y avoir des contre-indications, et ça ne confirme pas le diagnostic, donc il peut y avoir des erreurs diagnostiques. Très bien. Ah, le tableau n'est pas partagé. De toute façon, il est pourri, hein, le tableau. Hein, je vais le partager. Pardon. Voilà. Très bien. Bien, alors, est-ce qu'on réussira quand même à trouver maintenant un avantage à la fibrinolyse et un inconvénient de l'angioplastie primaire? La disponibilité. C'est presque ça. Mais le c'est coût. Pas ça. Le coût, il est raisonnable. Non. Disponibilité. Non, c'est chal la métallise. C'est moi qui va, non. Invasif. Là, non. La fibrinolyse, c'est quand même invasive, parce qu'il y a des risques hémorragiques. On parle d'une stratégie pharmaco-invasive. Donc, le risque à la fibrinolyse, paradoxalement, est plus important dans le passé primaire, même si c'est invasif. La fibrinolyse, elle est disponible. Elle est disponible. Par contre, l'angioplastie, elle peut ne pas être disponible. Ah, très bien, ça, j'accepte. C'est bon, j'accepte. La disponibilité va se traduire par quoi, finalement? Le délai pour être efficace. Le délai, exactement. Le délai. De mise en œuvre. Délai de mise en œuvre. Pour. Alors, délai à l'angioplastie primaire peut être lent. Et on va expliquer pourquoi. En fait, ça vient du fait que la fibrinolyse, c'est une thérapeutique qui est simple. Alors, ça nécessite quoi, une fibrinolyse ? Ou quelles sont les conditions ? C'est à quoi pour thromboliser ? Vous avez besoin de quoi ? Avoir des fibrinolytiques. Alain ? Alors, vous avez besoin de, premièrement, d'un produit. Hein ? Comme la Tenecteplase, par exemple, qui est cher, hein, qui coûte 10 millions, hein, c'est pas rien. Hein, 10 millions de centimes. Ça coûte 100 000 dinars, c'est ça, 100 000 dinars. Produit. Deuxièmement, une seringue qui ne coûte pas cher, hein, 10 dinars. Et un malade. Et un malade, oui. Très bien. Et un médecin, qui m'a docteur Emnaïen, qui ne coûte pas cher. Voilà. Très bien.
Donc, vous avez besoin de trois choses. Le produit thrombolytique, une seringue et un médecin compétent. Ça. Et donc, puisque ça nécessite trois fois rien comme moyen, on peut la généraliser. Donc, on peut thromboliser dans n'importe quel PU médical. En tout cas, on est censé pouvoir le faire. Et si on peut la généraliser, eh bien, ça permet une rapidité de prise en charge. C'est-à-dire, si par exemple, un patient consulte, je ne sais pas, Nayaf, Tipaza. Agda. Tipaza, peut-être qu'ils n'ont pas de salle de caté. C'est un mauvais exemple, parce qu'ils n'ont pas de salle de caté. Churchal. Un patient qui a un ST+, Churchal. Churchal, il n'y a pas de salle de caté. Donc, il faut transformer pour une angioplastie primaire, ce qui retarde la revascularisation. Alors que la fibrinolyse est présente sur le PU-T à Churchal, parce qu'elle nécessite trois fois rien. Et donc, ça permet d'augmenter la rapidité du traitement. Femtonez. Et oui, très bien. Et cet élément est extrêmement important. C'est peut-être le plus important de tous, parce que rappelez-vous, l'essentiel de la prise en charge du ST+, c'est de revasculariser le plus rapidement possible. Donc, la fibrinolyse n'est pas complètement enterrée. Elle garde quand même un avantage qui est important, lequel la rapidité de la mise en œuvre. Et cette rapidité de la mise en œuvre est rendue possible grâce à quoi? À sa généralisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de transporter le malade. Il y a un LPU, on dispose de la thrombolyse. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a permis cette généralisation? Finalement, c'est la facilité de la mise en œuvre qui nécessite juste une seringue et un produit. Alors que l'angioplastie primaire nécessite une salle de cathétérisme. Voilà, une salle de cathétérisme, ce n'est pas rien, c'est 10 milliards. Hein. Voilà, ce n'est pas la même grandeur. Tous les hôpitaux n'en ont pas. Et quand le patient consulte dans un centre où il n'y a pas de salle de cathé, on est obligé de le transférer. Donc, on perd du temps. Et si on perd du temps pour l'angioplastie primaire, on perd aussi des avantages. C'est bon? Oui. Oui, très bien. Alors, je vais vous poser une question compliquée, je suis sûr que vous allez répondre. Je vais effacer ça. À quel point le seul avantage de la fibrinolyse compense tous les avantages de l'angioplastie primaire, ou plutôt à quel délai? Un peu la question. 12 heures. 12 heures, non, faux. Je crois que c'est 12 heures. 12 heures. 2 heures, bravo. 12. 12 heures ou la 2? 12. C'est 2 heures. 12. Ouais. C'est 12 heures. 2, je suis comme Tenez. 12. Madame. C'est 2 heures, c'est 2 heures. C'est 2 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre ces 2 heures, il faut qu'on trace un petit peu deux courbes. Bien. Alors, je vais tracer une courbe. Voilà. On ne voit pas le tableau blanc. Et moi, je le vois. Pourquoi nous? On ne le voit pas. Agda, vous le voyez? Non. Non. Et là? Non. Ah, bah donc Zoom est en train de bugger. Là, hein. C'est un problème de connexion, non? C'est une sobrechouilla. Majaj? Non. Non. Wagda? Non. Très bien, parfait. Alors, c'était très rare. Reprendre. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Deux. Je mis sur pause sans faire attention. Bien. Bon. Bien, parfait. Alors, vous voyez maintenant le tableau blanc? Oui. Très bien. Alors, pour pouvoir choisir un petit peu, on va tracer deux courbes. Et le courbe, d'ailleurs, c'est un petit peu le bénéfice de l'une et de l'autre. Ça. Et donc, ça, c'est l'échelle des temps.
je suis sur dessin. Ça, c'est l'échelle du temps. Yac. Oui. Et ça, c'est le bénéfice de la revascularisation. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Alors, plus on tarde dans le temps, hein, plus la revascularisation est retardée, plus le bénéfice va augmenter ou la va diminuer? Va diminuer. Va diminuer, exactement. Et donc, le bénéfice est maximal à H0. Zéro. Voilà. C'est-à-dire que le maximum d'efficacité de ma revascularisation, c'est à H0. C'est à limite. Voilà, sauf que ben, c'est rare qu'on revascularise à H0. Tu as déjà thrombolisé ou revascularisé à H0? Non. Donc, Emeline dit non. Alors, pourquoi? Parce qu'il est rare qu'un patient se présente à H0. À moins que ce soit le médecin de garde qui est déjà présent à l'hôpital. Près de ce qu'il est ST+, il y a H0. Là, là. Ou là, peut-être qu'un patient hospitalisé pour un ST- qui me fait un ST+. Avec, je peux le thromboliser. Ou là, le revascularise à H0. Maliche. En tout cas, c'est là où il y a le maximum de quoi? De bénéfices. Ensuite, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce bénéfice va progressivement diminuer avec le temps. Oui. Voilà. Très bien. Donc, Ada, par exemple, c'est le bénéfice de quoi? De l'angioplastie primaire. Il est grand. À zéro. Ensuite, il va diminuer, jusqu'à devenir négligeable. Alors, c'est le bénéfice de la revascularisation systématique. Pourquoi il va devenir négligeable? 48 heures, exactement. Après ça, le bénéfice systématique n'est plus là. Il faut revasculariser uniquement ceux qui ont de la viabilité. Ça, on a bien compris ça, je ne vais pas y revenir. C'est pour ça qu'il faut faire le diagnostic le plus précocement possible pour profiter au maximum, hein, du bénéfice. On est d'accord. Thrombolyse maintenant. Est-ce que le bénéfice est plus grand? Je le mets ici. Ou là, il est moins grand? Moins grand. Ben, exactement. La thrombolyse que je vais mettre en rouge, le bénéfice est moins grand. On va dire qu'il est là. Ouais. Voilà, exactement. Pourquoi il est moins grand? Ben parce que ton succès est plus faible, parce que le risque est hémorragique, parce qu'il peut avoir des complications, etc. C'est surtout le taux de succès. Là, c'est 90% pour l'angioplastie primaire, juste 60% pour la fibrinolyse. Et est-ce que ce bénéfice va augmenter ou la diminuer avec le temps? Diminuer, exactement. Je vais le mettre en vert. En fait, voilà, il va aussi diminuer et d'une manière un peu pareil, parallèle à la première courbe. C'est bon? Sauf que la fibrinolyse, hein, que je mets en vert, fibrinolyse, a quand même un risque hémorragique que l'angioplastie primaire n'a pas. Et le risque hémorragique est plus élevé que le bénéfice ou la moins élevé? Moins élevé. Sinon, on ne thromboliserait jamais, hein, si le risque est plus élevé, n'est-ce pas? Et est-ce que ce risque hémorragique va diminuer avec le temps? Ben non, il ne lui diminue pas. Ben, lui, il reste fixe. Oui. Hein? Oui, très bien. Jusqu'à un certain point où les deux courbes se croisent. Et ce délai de croisement est estimé à combien? À 12 heures. Ouais. Ousmane, vu que le bénéfice de la fibrinolyse est moins important que celui de l'angioplastie primaire et qu'il diminue avec le temps, au bout de 12 heures, ce bénéfice sera inférieur au risque. Parce que le risque reste le même. Et donc, quand vous thrombolisez un patient au-delà de la deuxième heure, c'est plus dangereux qu'utile. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ouais. Très bien. Et donc, quand est-ce que la thrombolyse se discute? Uniquement dans les 12 heures. Par rapport à quoi?
au début de la douleur. Alors que l'angioplastie primaire dont le bénéfice est supérieur et qui n'a pas de risque hémorragique peut être utilisé jusqu'à la 48e heure. Est-ce que vous avez compris ce concept? Oui, tout le monde a compris? Accusez-moi de réception. Vous voulez que je répète? Oui. Oui. Alors, je vais répéter. Donc, ça, c'est un diagramme pour un petit peu simplifier, pour que ça soit plus visuel. Et c'est un diagramme qui va un petit peu analyser le bénéfice de la revascularisation par rapport au temps. Remarque une chose, c'est que plus on tarde à revasculariser, plus le bénéfice est en train de diminuer, soit par fibrinolyse, soit par angioplastie. Donc, ce bénéfice est grand H0, c'est le maximum. Bien. Et puis, on va perdre parce que le myocarde se nécrose petit à petit et la revascularisation devient de moins en moins utile jusqu'à, pour l'angioplastie primaire, 48 heures. Au bout de 48 heures, il n'y a plus d'intérêt à revasculariser d'une manière systématique. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Très bien. Alors, je vais faire la même chose avec la fibrinolyse pour savoir quand est-ce qu'elle n'est plus valable. Ben, la fibrinolyse a deux inconvénients par rapport à l'angioplastie primaire. Deuxièmement, moins efficace. Et donc, son bénéfice, même à H0, est inférieur à celui de quoi? De l'angioplastie primaire. En plus, celui-là va diminuer avec le temps. Mais la fibrinolyse a une particularité, c'est qu'il y a un risque hémorragique. Et ce risque hémorragique, qui est plus faible, hein, reste stable, c'est lié au patient. Avec le temps, le bénéfice de la fibrinolyse diminue tellement qu'il devient inférieur au risque hémorragique. Bénéfice de la fibrinolyse était grand, supérieur au risque hémorragique, mais avec le temps, il va diminuer au-dessous du risque hémorragique. Et quand il passe au-dessous, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que c'est plus dangereux, plus risqué que bénéfique. Et si une stratégie est plus risquée que bénéfique, on ne l'adopte pas. Et donc, ce croisement-là, ce point-là précisément, où le bénéfice de la fibrinolyse devient inférieur à son risque hémorragique, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on ne thrombolyse plus. Voilà. Et ce point-là est estimé à 12 heures. Mais finalement, la thrombolyse ne se discute qu'à maximum H12 du début de la douleur. Contrairement à la clinique, tu as déjà vu la présenter thrombolyse à H13 plus bien. Bien, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Ça donne une information supplémentaire importante. Qui tu comme un ST+. Waouh, en rouge, ST+. Déjà H14 du début de la douleur. Question, par quelle méthode vous allez le revasculariser? Angioplastie. Voilà, exactement. Là, reste valide uniquement l'angioplastie primaire. Primaire. Exactement. Et donc, c'est pas très rare. Entre H12 et H48, vous n'avez plus le choix. 48. H12, H48. C'est-à-dire, j'ai un patient, il se présente, j'ai un ST+, je lui pose une question. Il y a 14 ans, Mibdani. Je peux faire une revascularisation systématique, mais dans ce cas-là, uniquement par angioplastie primaire. Bravo. D'accord? Oui, question, oui, allez-y. Ah ben exactement, maintenant si je peux la faire dans mon centre, je l'envoie vers un autre centre, quel que soit le délai, à condition que ce délai ne dépasse pas les 48 heures. Voilà, exactement, voilà. C'est bon? Maintenant, le choix entre fibrinolyse et angioplastie primaire,
ne se discute finalement que dans les 12 heures. C'est quand le ST+ vient à H5, par exemple, où là, j'ai réellement le choix entre les deux méthodes. Oui. Très bien. Parfait. Maintenant, le Kennedy est à moins de H12. J'ai le choix entre les deux méthodes. Laquelle je vais choisir? La question est là. On se place si elle était disponible. D'accord. Elle est disponible à moins d'une heure. Parfait. Laissez-moi répondre. Alors, pour répondre à cette question, il vous manque un élément. Et l'élément clé, c'est l'espacement des deux cours en matière de temps. Je m'explique. Regardez. S'il vient H5, par exemple, H5, Agdaya, le bénéfice, chauffe, le bénéfice de la fibrinoli, c'est là. Yak. Si j'ai le choix, Asna, très rapide. Si je suis dans un sang qui a une salle cathé qui fait des angioplasties primaires, j'ai le choix entre soit une fibrinolyse immédiate, soit une fibrinolyse, soit une angioplastie immédiate, soit une fibrinolyse immédiate. Donc, je suis en train de comparer les deux méthodes sur le même temps, à H5. Dans ce cas-là, la fibrinolyse l'emporte tout le temps sur l'angioplastie primaire, l'emporte tout le temps sur la fibrinolyse. Parce qu'elle a plus de bénéfices. Parce qu'elle a plus de bénéfices et parce qu'elle n'est pas retardée par rapport à la fibrinolyse. Très bien. Et c'est pour ça que, par exemple, le CNMS, il est rare qu'on thrombolise un ST+. On thrombolise uniquement si la salle cathé est en panne. Tu as thrombolisé combien de ST+, mitral de CNMS? Aucun. Aucun. Ouais. Vous voyez, docteur Imnaïl, Aouna, il va témoigner, visage découvert, nous dit qu'il a thrombolisé, et ça fait combien de temps que tu es en cardio? Je ne sais pas, peut-être 6 mois. Il a 6 mois de cardiologie, de l'Ibelec, il n'a thrombolisé aucun patient. Par contre, tu as vu combien d'angioplasties primaires? Beaucoup. Beaucoup, voilà. Alors, pourquoi? Parce que nous, le CNMS, on ne thrombolise pas. Voilà, parce qu'on dispose de salle cathée, ou qui gêne un malade, je peux lui proposer deux traitements. Soit une fibrinolyse immédiate, soit une angioplastie immédiate. Donc, je suis en train de comparer ces deux points sur la même verticale. Et qui vient H5, qui vient H6, H3, l'angioplastie primaire reste tout le temps supérieure à la fibrinolyse. Par contre, si je suis dans un centre qui ne dispose pas de salle de cathé ou d'un patient H5, je peux lui proposer ou bien fibrinolyse chez moi ou bien une angioplastie différée. Ou je m'en ai différé, retardé plutôt, je suis différé. Maintenant, je dois le transporter vers un autre centre. Mais je suis de l'angioplastie. Si ce transport dure plus de 2 heures, et 2 heures, c'est l'espace entre les deux courbes, fibrinolyse immédiate ou bien angioplastie primaire retardée de plus de 2 heures, winter, l'année, en matière de temps, plus de 2 heures. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'avantage de la fibrinolyse est supérieur à l'angioplastie primaire. Ouais. Si maintenant je suis dans un centre à Bidim-Sauce, par exemple, ou j'ai un ST+, la salle cathé est en panne, je peux quand même le transférer de CNMS. Est-ce que Bidim-Sauce CNMS, ça prend 2 heures? Non. Non, ça prend peut-être une demi-heure. Donc, soit je lui fais une fibrinolyse Bidim-Sauce, soit je fais une angioplastie primaire, mais après une demi-heure. Et donc, le bénéfice est là. Vous voyez, une demi-heure. Je suis dans cette verticale. Où je connais qui est supérieur? Angioplastie, exactement. Voilà. En d'autres termes, une fibrinolyse immédiate donc, a le même avantage qu'une angioplastie faite dans les 2 heures après. Et donc, quand je reçois un patient avant H12, si j'ai une salle cathé, le problème ne se pose pas pour moi. L'angioplastie primaire, dans tous les cas.
Si par contre, je ne suis pas dans un centre qui dispose d'une salle. C'est pas... Si par contre, je ne suis pas dans un centre qui dispose d'une salle de caté, je me pose une seule question, une seule. Pourrais-je assurer à mon patient une angioplastie dans un autre centre inférieur, dans un délai inférieur à 2 heures? 2 heures, le diagnostic. Je suis au début de la douleur. Voilà, exactement. Donc, ce délai de 2 heures sert à choisir entre les deux stratégies. Voilà. Et donc, docteur Emnaïm, qui va faire le service civil Tao Fergan. Oh, Inch'Allah. Inch'Allah. Et Charles Mskin. Les femmes, ça, monsieur. Alors, qui dit NST plus, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous croyez qu'il va thromboliser? Ou là, il va vers le centre le plus proche, peut-être Rdaya, et qu'il faut 6 heures pour le transport. Ou Shidaloua? Il va thromboliser. Thromboliser. Exactement. Bien, bon, résumons-nous. Je vais tout résumer. Allez. Il y a un délai important qui débute la douleur pour savoir, premièrement, si on doit revasculariser d'une manière systématique et par quelle méthode. Si le délai est supérieur à 48 heures du début de la douleur, il n'y a plus d'indication à la revascularisation systématique et je revascularise uniquement s'il y a preuve de viabilité. Donc, un aya systématique ou un aya preuve. Non. Preuve de viabilité. Si maintenant le patient vient entre 12 et 48 heures, là je revascularise d'une manière systématique, mais avec l'angioplastie primaire uniquement. Après 12 heures, la thrombolyse étant plus dangereuse qu'utile. Si maintenant le patient se présente entre 0 et 12 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, je dois opérer un choix. Et ce choix se fait entre les deux méthodes, l'angioplastie primaire ou la thrombolyse. Et ce choix, en fait, est simple. Il suffit de poser une seule question et d'y répondre. Pourrais-je faire une angioplastie primaire dans les 2 heures du temps dans un autre centre? Si la réponse est oui, c'est l'angioplastie primaire. Si je ne peux pas faire une angioplastie primaire parce que le centre est trop loin et que ça dépassera les 2 heures, je thrombolyse. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres oui? Écrivez d'autres oui. Docteur. Oui. Docteur, s'il vous plaît, si le patient il se présente après la 12e heure, mais après quoi? Après là? Si le patient il se présente après la 12e heure, mais la salle de caté, elle n'est pas disponible toujours. Après 48 heures. Oui. Avant 48 heures, pardon. On fait quoi? Avant 48 heures? Oui. Oui, quelle salle de caté n'est pas disponible après 48 heures? Oui. S'il est Argan. Je fais Argan. Je suis Argan Rabdaya, c'est moins 48 heures quand même. Hein. C'est rare, hein, cette catégorie assez rare. Ah, d'accord. En fait, qui dure entre 12 et 48 heures, on revascularise quel que soit le délai. D'accord. C'est-à-dire, même le canigine à 24 heures. Du moment que ça dépasse pas l'angioplastie primaire, même si ça dépasse. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Maintenant, il peut y avoir un autre souci. Lequel? Une contre-indication à l'angioplastie. Contre-indication à la fibrinolyse, exactement. Et quand ça arrive, là aussi, ça ne se discute pas. Quand il y a une contre-indication à la fibrinolyse, qu'est-ce que je fais? Angioplastie primaire, quel que soit. Voilà, exactement. Là, il n'y a pas de choix. Quatrième et dernier cas de figure. Imaginons que je fais une fibrinolyse, n'est-ce pas? Fibrinolyse, et que par la suite, ça s'avère que c'est un échec. Qu'est-ce que je fais? Angioplastie, exactement. Donc là, je n'ai plus le choix. Angioplastie, de quoi? Dites maintenant de sauvetage. Sauvetage. Alors, ce n'est pas primaire, hein, c'est plus primaire.
primaire ou chemin, elle a avant toute méthode de revascularisation, c'est-à-dire la première. Mais là, j'ai déjà appliqué une méthode qui est la fibrinolyse, qui n'a pas marché. C'est un échec. Et donc là, j'utilise une angioplastie de sauvetage. Et là, quel est le délai pour la faire? Une heure. Ah, c'est pas une heure, non. C'est le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. D'accord? Le plus rapidement possible, même si ça doit me coûter beaucoup de temps, parce que c'est la seule méthode qui reste valide. Je m'explique. Si j'ai fait une fibrinolyse et que ça a été un échec. Alors, pourquoi j'ai fait une fibrinolyse? Parce que je dispose de la salle cathé. Parce que la salle de cathé est à 4 heures de temps. 4 heures, c'est plus de 2 heures, donc c'est la fibrinolyse. Fibrinolyse, échec. Si c'est un échec, qu'est-ce que je fais? J'envoie mon patient vers la salle de cathé, même si ça coûte 4 heures, même si c'est plus de 2 heures. Voilà. Donc, on va dire que je l'envoie, je fais une angioplastie primaire le plus rapidement possible. Bien. Est-ce que vous avez vu ce dernier... Entre. C'est la pause. Est-ce qu'on prend une pause? Pause. Oui. Oui. Par quel mécanisme la thrombolyse donne des résultats lorsqu'on thrombus athéromateux et non priorique? Bah, écoutez, ST+, c'est une rupture de plaque et généralement la plaque est non significative, mais c'est le thrombus qui va occlure l'artère. Voilà. Et donc, la fibrinolyse agit sur le thrombus. C'est pour ça qu'elle peut reperméabiliser l'artère. Elle ne va pas disparaître la plaque d'athérome, mais l'artère va être reperméabilisée. Il y a de la fibrine, donc ça peut nous dire. Exactement. Il y a de la fibrine, c'est sur la fibrine qu'agit les fibrinolytiques. Bien, on prend une pause. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On pause de 10 minutes, un quart d'heure et on reprend. D'accord. Alors, merci, d'accord. Et supérieur à 2 heures. Oui. Non, là, tu ne fais pas de somme. Bien, pas de somme. Allez, on va revoir les délais. On va revoir les délais. Il y a une confusion. Il y a une petite confusion par rapport aux délais. On va les revoir. Je vais juste partager un tableau blanc, un nouveau partage. Tout le monde regarde le tableau blanc? Oui. Bien, alors il y a plusieurs délais, hein, finalement. Bien. Premier délai, c'est celui un petit peu de l'ECG qui doit être fait dans les 10 minutes à la manière du chalet, c'est bon. Une fois le diagnostic fait, hein, par exemple, une fois le diagnostic a été fait ici, par exemple, hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu demander au patient quand est-ce que la douleur a commencé. Alors, pourquoi? Pour savoir à combien on est. La connexion n'est pas bien. Alors, Nicole Candy, si 6 heures, depuis 6 heures, la connexion n'est pas bonne. Oui, ça commence à bugger. Ça bug beaucoup. Ça bug beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Oui. Mais est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oui. Eh bien, parfait. Alors, je reprends. Donc, quand je reçois le patient, n'est-ce pas? Je lui ai posé une seule question. Alors, c'est peut-être un cas peut-être concret. Alors, je reçois un patient qui a une douleur thoracique constrictive, n'est-ce pas? Avec un osteogénésis décalage et je diagnostique toi un ST+. Bien, très bien. Alors, la première, je vais poser plusieurs questions. La première, c'est quand est-ce que la douleur a débuté? Voilà. S'il me dit que, par exemple, la douleur a débuté il y a 6 heures de temps, s'il a consulté à midi et qu'il me dit que la douleur a débuté à 6 heures du matin. Donc, à votre avis, il est H combien, d'ailleurs? Il est H6. 6 heures. Voilà.
il est H6 exactement. C'est-à-dire que la douleur a débuté ici, H0, et là actuellement on est H6. Saha. H6, première question, est-ce que je fais une revascularisation systématique? Oui. 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 Parce qu'il est H6, encore une fois, du début de la douleur, et que H6 est inférieur à 48 heures. Par contre, s'il m'a répondu une autre question, Bdetni à 6 heures, mais Bdetni, il y a deux jours de cela, c'est-à-dire plus de 48 heures. Là, qu'est-ce que je fais? On revascularise. Non, non, non. Ensuite, la viabilité. Éco, donc. Exactement, viabilité. La douleur. Viabilité, et je lui dis quoi? Est-ce que vous avez toujours mal? S'il a toujours mal, oui. Je revascularise. On revascularise, oui, voilà. Mais uniquement par angioplastie primaire. Oui. Oui. Maintenant, s'il n'a pas de douleur et que c'est plus de 48 heures, je demande un examen complémentaire à la recherche de viabilité. Revenons au cas de H6. Je suis à H6. Imaginons, Khalib, la douleur, comment a débuté? Non pas 6 heures du matin, mais la veille à 12 heures. Donc, je suis à combien? H24. Voilà. Si je suis à H24, je suis là. H24, est-ce que je fais une revascularisation systématique? Oui. Oui. Je n'ai pas de viabilité, mais là, je dois la faire uniquement par angioplastie primaire. Très bien. Troisième élément, si maintenant je suis dans le cas du H6, eh bien là, H6 c'est inférieur à H12, et donc j'ai le choix entre les deux méthodes, thrombolyse et angioplastie. Quelle est la question que je me pose? La plus efficace. Est-ce que je peux la faire dans deux heures? Voilà. Est-ce que je suis disponibilité de salle KT. Est-ce que je suis dans un centre qui a une salle KT? Eh bien, oui. Si c'est oui, le problème ne se pose plus. C'est l'angioplastie primaire. Si je ne suis pas dans un centre qui dispose d'une salle KT, je pose une question. Pourrais-je transférer vers un patient vers un centre qui fait angioplastie primaire? Mais avant les deux heures, mais deux heures par rapport à quoi? Par rapport au diagnostic. À la douleur. Voilà. Mais je suis par rapport au début de la douleur, par rapport au diagnostic. Je suis H6 et la question est, pourrais-je assurer une angioplastie primaire avant H8? Oui. Si je passe sur une angioplastie primaire, je préfère l'angioplastie primaire. Si maintenant le centre est trop loin et que transporter le patient vers une salle de KT prend plus de 2 heures, là je suis. D'accord? Donc imaginons qu'à l'année, un centre qui n'a pas de salle de KT, que la salle de KT la plus proche se situe à 3 heures de temps, qu'est-ce que je fais? Thrombolyse. Dans ce cas-là, quelle est la question que j'ai posée au patient? Je vais rechercher un interrogatoire des contre-indications. Exactement. Si je trouve une contre-indication, surtout si elle est absolue, j'abandonne la thrombolyse et je fais une angioplastie primaire, quel que soit le délai. Même si on a dépassé. Voilà. Même si on a dépassé les 2 heures de mise en œuvre. Si maintenant il n'y a pas de contre-indication, je thrombolyse. Bon? Une fois thrombolisé, qu'est-ce que je fais? Les critères d'efficacité. Voilà, je vais juger l'efficacité, exactement. Est-ce que ma thrombolyse a été efficace? Donc, je suis bon. Ou est-ce que c'est un échec? Ben, si c'est un échec, angioplastie de sauvetage. Angioplastie. Quel que soit le délai. Voilà, exactement. Donc, remarquez que ce délai de 2 heures n'est valable uniquement pour choisir entre la thrombolyse et l'angioplastie primaire dans les 12 heures au début de la douleur. Mais s'il y a échec ou contre-indication de la thrombolyse, ce délai saute parce qu'il n'y a plus le choix. Donc, délai de 2 heures, il sert à quoi? À un choix entre deux méthodes. Si échec de la thrombolyse ou contre-indication de la thrombolyse est perdue, il n'y a plus de choix. Je fais une angioplastie primaire, quel que soit le délai. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et donc, je dois disposer alors de critères pour juger de
l'efficacité de la thrombolyse. Question, quels sont ces critères? Persistance de la douleur. Absence de la douleur. Ah, exactement. Il y a un garçon qui a parlé, c'est un événement. Vas-y, parle, dis-nous. Persistance de la douleur ou persistance de sus décalage ECG. Exactement, c'est exactement cela. Donc là, on va parler peut-être pas de critères d'échec, hein, bah, il faut être optimiste dans la vie. On va parler de critères de succès. Voilà. Alors, où je mets un critère de succès? Je suis en train de les chercher. Disparition de la douleur. Disparition. Oui, alors oui, je comprends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artère est reperméabilisée. C'est quoi le succès? Il n'y a plus de ST+. Voilà. Et s'il n'y a plus de ST+, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a plus les signes du ST+. Et les signes de ST+, vous le connaissez, c'est la douleur et le sus-décalage. Et donc, les critères de succès de la thrombolyse, ça va être quoi? Disparition de la douleur. Et régression du sus. Le sus décalage. C'est les critères très rapides. C'est les critères les plus importants. Deux critères très importants du succès. Disparition complète, hein, sédation complète de la douleur, c'est-à-dire que le patient ne sent plus de douleur, aucune douleur. Et puis, deuxième critère, ça va être quoi? Régression du sus. Hein? Ça va être régression de plus de 50% du sus décalage. Où je m'en ai? Maintenant, je dois d'abord le mesurer. Ah, sur l'électro initial. Bien, je reprends mon crayon dessiné. Donc, si par exemple j'ai un sous-décalage initial de 10 mm, si je refais le CG et je trouve que le sous-décalage a régressé et que 3 mm persiste, donc là il a régressé de 70%. Et donc là c'est un succès. Pourquoi c'est un succès? Parce qu'il y a eu une régression de plus de 50%. C'est-à-dire qu'il a baissé plus de moitié. D'accord? Voilà. Donc, deux critères majeurs de succès. Sédation de la douleur et régression supérieure à 50% du sus décalage. L'intérêt de ne pas donner des antalgiques. Exactement, voilà, exactement. Merci de me le rappeler, effectivement, tu as tout à fait raison. Bien. Alors là, on ne va pas chercher de la viabilité, on cherche les critères de succès, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil que la viabilité. Très bien, deux autres critères sont un petit peu secondaires, de moindre importance, qui sont troubles du rythme ventriculaire bénin, comme des ESV ou un RIVA. Alors, vous savez ce que c'est qu'un RIVA? Mais un RIVA, c'est un idiot ventriculaire accéléré. Bien. Alors, c'est quoi un RIVA? Donc, on attend comme les critères électriques du RIVA et vous allez comprendre ce que c'est. Donc, c'est un RIVA qui fait bon pronostic exactement, qui est fait de QRS large. Oui, c'est un trouble de rythme ventriculaire. Ventriculaire, fait de QRS large. Monomorphe, régulier, et QRS en régulier, avec dissociation réculo-ventriculaire, et avec en plus des complexes de fusion et de capture. Voilà, j'ai dessiné. Mon schéma est pourri, mais là, vous avez compris l'essentiel. C'est que c'est un rythme. C'est des bradycardies. C'est partagé ou pas? Oui. Oui, c'est partagé, très bien. Parfait. Donc, c'est un rythme rythme ventriculaire fait de QRS large, monomorphe, régulier, avec dissociation réculo-ventriculaire et complexe de fusion et de capture. Bien. Donc, ça ressemble à quoi? Une TV monomorphe. Une TV, exactement. Ça a tous les critères d'une TV monomorphe, sauf un, lequel? La fréquence. Donc, elle est au rythme sinusal. Non, attendez. Vu que la fréquence ne dépasse pas les 100, je n'ai pas le droit d'utiliser le terme de... Tachycardie. Tachycardie ventricule.
Voilà. Ce n'est pas une tachycardie ventriculaire parce que la fréquence n'est pas supérieure à 100, mais ça en a tous les critères, c'est-à-dire rythme composé de QRS, rythme ventriculaire composé de QRS large, régulier, monomorphe, avec dissociation ventriculaire, complexe de fusion et de capture. Bien, c'est un RIVA. Bien. Ce RIVA est un signe bénin, déjà le signe est bénin, et c'est un signe de reperfusion électrique. Très bien. Donc, si on vous donne, par exemple, on vous pose une question à l'examen, citez deux signes électriques de succès de thrombolyse, vous allez répondre quoi? Régression de STP. RIVA, RIVA, voilà. Des fois des TV lentes aussi, hein, des fois des ESV, etc. Plus souvent, c'est le RIVA. Parfait. Quatrième signe de succès, c'est un pic précoce et des troponines. Maintenant, quand vous faites un ST+, les troponines vont s'élever à partir de la première heure ou la troisième heure, passer par un maximum et puis baisser très progressivement pour se négativer entre 40 heures, voilà, ou à 3 jours. Donc, ça, c'est la cinétique. Non, c'est la RB, 3 semaines, bien 3 semaines. Voilà. Donc, ça, c'est la cinétique. Cinétique. Oui, Salmé, vas-y. S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez réexpliquer le rythme idioventriculaire. D'accord, donc je vais le réexpliquer. Merci. Tani, quelqu'un a levé la main tout à l'heure. L'âme ou l'un truc, non? Bien. Je reviendrai au RIVA. Donc ça, c'est la courbe des troponines, un ST+, non revascularisé. Alors que la courbe des troponines d'un ST+, revascularisée avec succès, va avoir un début plus précoce, un pic plus élevé, mais un pic étroit. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est échec. Et ça, c'est succès. Alors, pour pouvoir avoir ces courbes, je dois faire plusieurs prélèvements de troponines dans le temps. Voilà. Donc, ce pic qui est précoce et étroit des troponines est un signe de succès. Pourquoi? La revascularisation témoigne d'une décharge massive des troponines dans le sang. Pourquoi décharge? Parce que l'artère est revascularisée et reperméabilisée. Très bien, exactement. C'est exactement cela. Je vais réexpliquer. Alors, on attend que le bug passe. Est-ce que le bug est passé? Oui. Très bien, parfait. Alors, je réexplique. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Quand vous avez une artère qui est bouchée, il va y avoir un nécrose avec déversement des troponines dans les vaisseaux. Sauf que le vaisseau est bouché. Donc, les troponines vont avoir beaucoup de mal à se drainer parce qu'il n'y a plus de flux. Voilà. À être éliminées du foyer, exactement, pour rejoindre le sang. Et donc, il va y avoir une augmentation des troponines très progressive et leur élimination par la suite va être extrêmement progressive parce qu'ils restent bloqués dans le territoire infarci. Par contre, si on reperméabilise avec succès, le flux sanguin va faire quoi? Laver des troponines. Et donc, ils vont rejoindre plus rapidement la circulation et puisqu'il y a un lavement rapide, ils vont être éliminés aussi plus rapidement et donc, on va avoir un pic étroit et précoce des troponines. Donc, c'est un signe finalement de quoi? De rétablissement du flux coronaire qui est un signe de succès. Alors, un autre élément, c'est que le volume de la nécrose peut être apprécié par ces courbes. Mais le volume de la nécrose, ce n'est pas le maximum, ce n'est pas le pic. C'est l'aire de la courbe. Et donc, quand il n'y a pas succès, quand il y a échec, l'aire de la courbe est plus importante et la nécrose est beaucoup plus massive. Alors que quand le pic est étroit, mais bref, même s'il est ample, qu'est-ce qui se passe? L'aire de la courbe est plus petit et donc la nécrose est de moindre taille. C'est aussi un signe de succès. Alors, ce critère n'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet un diagnostic rétrospectif. Il faut que je fasse une courbe, que j'attends tout ça
pour que je puisse savoir si c'était au passé, si c'était efficace ou pas. Mais moi, j'ai besoin de critères instantanés pour que je puisse agir, pour que je puisse proposer autre chose si, au cas où, il y aurait un échec. C'est pour ça que, ben, écoutez, ce dernier critère biologique n'est pas très important. Et les deux critères, encore une fois, les deux critères importants, c'est la disparition totale de la douleur et régression de plus de 50% du sus décalage. Alors, je réexplique le RIVA. Le RIVA, c'est un trouble du rythme ventriculaire bénin qui survient à la phase aiguë du ST+, correctement revascularisé. Voilà. Très bien. Et ce trouble du rythme, quelles sont ses caractéristiques? C'est que c'est un rythme ventriculaire qui est fait de QRS large, régulier, monomorphe, qui est dissocié des oreillettes avec dissociation cloventriculaire et avec complexe de fusion et de capture. Donc, c'est comme une TV, ensemble, comme deux jumeaux à une TV, sauf qu'il manque un critère, c'est que la fréquence n'est pas rapide. Donc, ai-je le droit de parler de tachycardie? Ben non, puisque la fréquence n'est pas rapide. Je n'ai pas le droit de parler de TV. Je parle alors de quoi? D'un rythme à naissance ventriculaire qui prend naissance directement au niveau du ventricule. Je l'appelle idioventriculaire accéléré. Pourquoi accéléré? Parce que les foyers, normalement, de l'automatisme ventriculaire sont lents, naturellement lents. Donc, celui-là est anormalement accéléré. C'est pour ça qu'il peut s'exprimer. Docteur, oui. Est-ce qu'il peut être accéléré? Je peux résumer cela en disant qu'un RIVA, c'est une TV qui n'a pas le critère de la fréquence. C'est tout. Oui, dis-moi. Est-ce qu'il peut être mal toléré par le système? Non. Généralement, il est très, très bien toléré et bénin. Il ne nécessite aucune prise en charge. Au contraire, c'est un bon signe, c'est un signe de succès. Ouais. C'est bon? C'est bon. Oui. Très bien. Alors, c'est une partie très importante du cours parce qu'il est très important de savoir si notre fibrinolyse était inscrite ou pas, parce que ça détermine la conduite à tenir ultérieure. Alors, juste une remarque, ces mêmes critères sont utilisés également pour juger du succès de l'angioplastie primaire aussi. Mais Houma, ils prennent beaucoup d'importance sur la fibrinolyse parce qu'ils conditionnent la conduite à tenir ultérieure. Hein. Oui, question, on va prendre une question. Docteur? Oui. Si on a la disparition de la douleur avec la régression de sus décalage, mais inférieure à 50%, est-ce qu'on le considère comme un critère de succès? Succès partiel, on va dire, mais théoriquement, il faut les deux critères. Les deux critères sont obligatoires. D'accord. Très bien. Docteur, si aucun de ces critères n'est accompli, on doit faire une autre revascularisation. Donc, je vous suis délo. Alors, j'ai une question. Pourquoi il va présenter un trouble du rythme malgré succès? C'est un trouble du rythme, encore une fois, bénin. Voilà. Voilà. Et c'est comme un marqueur de succès qu'un trouble du rythme, finalement. Voilà. Alors, si on était à l'amphi de vive voix, je vous l'aurais expliqué, mais là, ça va être difficile. La réentrée. Tu veux vraiment qu'on l'explique? Oui. En fait, c'est comme... Non. moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas envie de le faire. Mais on va quand même le faire. C'est comme des foyers qui ont été privés d'oxygène au sein même du myocarde, d'accord, et qui revivent parce que l'artère a été reperméabilisée. Voilà. Mais comme ils sont un petit peu victimes d'une ischémie sévère, ils vont essayer d'avoir plus de sang. Ils vont essayer de faire quoi finalement? D'accélérer le cœur pour avoir plus de sang. En fait, c'est un réflexe de foyer comme ça, victime d'une ischémie sévère. Alors, on ne va pas en dire plus. Le mécanisme n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre deux choses. Premièrement, c'est que c'est un trouble du rythme complètement bénin, hein, aucune prise en charge nécessaire, très bien toléré sur le plan hémodynamique. Et deuxièmement, c'est que c'est un signe électrique de succès de la thrombolyse. Mais avec tout ça, les deux critères les plus importants, ce sont les deux premiers, c'est descente complète de la douleur et régression de plus de 50% du sus décalage. Alors, un élément important concernant le sus décalage, c'est qu'on s'est rendu compte que celui-là
le sus-décalage peut mettre du temps pour régresser, il n'est pas instantané. La douleur est instantanée. Dès qu'on reperméabilise, le malade n'a plus mal. La douleur est rapidement soulagée. Mais le sus-décalage peut mettre du temps à régresser. C'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite l'analyser. On va refaire un ECG pour savoir s'il a régressé ou pas. Mais on va refaire un ECG dans une heure de temps. On ne va pas le faire tout de suite. Si on le fait tout de suite, trop précocement, même si c'est un succès, le sus-décalage est toujours là. Donc, il faut laisser quand même le temps au sus-décalage de régresser en cas de succès. Et on laisse une heure de temps. Voilà. Donc, on va dire que globalement, les succès ou l'échec de la thrombolyse est évalué une heure après la thrombolyse et non pas instantanément. Ce délai d'une heure est nécessaire au sus-décalage de régresser. Saha. Sauf qu'une heure de temps, c'est précieux. Précieux. Pourquoi ? Parce qu'il faut agir le plus rapidement possible. Imaginons que je reçois un ST+. S'il te plaît, fais les boucles la clim. Je reçois un ST+, que je vais revasculariser. Bien. Alors, si je ne dispose pas d'une salle de cathé proche dans les deux heures de temps, et si je suis dans un délai inférieur à H12, ben, je peux thromboliser. Merci. Thromboliser. Après la thrombolyse, si j'attends une heure pour juger de l'efficacité, et si après l'heure radic, il s'avère que c'était un échec, ben je dois proposer une angioplastie de sauvetage. Oui, dans un autre sens, quel que soit le délai. Mais remarquez une chose, j'ai perdu une heure. Parce que je thrombolise. J'attends une heure pour savoir si c'est un succès ou pas. Je perds encore du temps. Oui, oui. Oui, alors est-ce qu'il y a moyen de récupérer leur headache? Dès qu'on thrombolise, on envoie exactement. Dès qu'on thrombolise, on le transfère. On le transfère immédiatement. Bravo. Alors, bien sûr, il faut assurer le transfert dans une ambulance médicalisée. Il ne faut pas l'envoyer n'importe comment, tout ça. Qu'il y ait une ambulance avec électrochoc, scope, turite cardiaque, etc. Mais il faut le faire immédiatement après la thrombolyse vers le centre qui fait l'angioplastie. Et finalement, qui va juger de l'efficacité ou pas? Eh bien, c'est le médecin de garde du centre d'angioplastie. Lui va recevoir le patient. Est-ce qu'il va l'emmener à la salle cathé pour une angioplastie de sauvetage? Non, il va d'abord refaire un ECG et interroger le patient. S'il y a eu succès, ben c'est bon. Si la douleur a cédé et que ce décalage a régressé, c'est un succès. Si maintenant le médecin de garde de centre d'angioplastie remarque que ce décalage est toujours là, il n'a pas régressé, la douleur est toujours présente, échec, il va lui proposer une angioplastie immédiate. Remarquez que l'heure nécessaire pour juger l'efficacité, on a consommé la route. Et donc, quelque part, on n'a pas perdu une heure de temps supplémentaire. Est-ce que vous avez compris cette notion? Oui, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que après réussite de traitement thrombolytique, est-ce que je refais une angioplastie ou pas? Très bien, c'est succès. Oui. Très bien. Donc, je vais répondre. Très bien. Mais réponds-moi, Thiel ou Lania. Est-ce que tu as compris le délai à une heure? Est-ce que vaudrait mieux consommer l'heure radic nécessaire à l'évaluation du succès? Est-ce qu'on la consomme chez nous ou là en route? En route. En route, voilà. C'est pour ça qu'il faut immédiatement envoyer le patient. Oui, et petit Sam. Oui, mais c'est la notion de une heure, s'il vous plaît. Si vous pouvez la répéter. Oui, bien sûr. J'allais de manière à la répéter parce que je pense que certains n'ont pas compris. Alors, Rania, vas-y. Donc, si la douleur ne disparaît pas à la fin de faire un ECG, on fait directement une angioplastie de sauvetage. Si, on fait les deux. On fait les deux. Mais il faut les deux pour dire que c'est un succès.
Bien. Alors, je répète la notion à une heure. Le fait est que pour juger de l'efficacité de la thrombolyse, il me faut une heure de temps. Je ne vais pas la juger immédiatement après avoir thrombolysé. Il faut que je laisse un petit peu de temps à la thrombolyse. Il faut une heure de temps pour finalement refaire un ECG et voir si le sus décalage a régressé d'une manière significative ou pas. Donc, cette heure, pour ne pas la perdre, vaudrait mieux, dans le doute, quand je fais une thrombolyse, envoyer le patient vers un centre d'angioplastie. Voilà. Alors, quand il arrivera au centre d'angioplastie, eh bien, c'est le médecin du centre d'angioplastie qui va juger de l'efficacité. Voilà. Donc, c'est lui qui va interroger le patient sur la douleur, persistante ou pas, et c'est lui qui va refaire le CG pour savoir s'il y a régression ou pas du sus décalage. Et donc, si il voit le médecin du centre d'angioplastie que finalement c'est un échec, il peut proposer une angioplastie immédiate. Lui, il n'est pas obligé d'attendre une heure, parce que l'heure réalique a été consommée de la route. Voilà. Si je thrombolise à Atanash, ou ne battre le patient, j'ai une angioplastie ou celle à Atlata, ben, je suis à 3 heures de la thrombolyse. Et donc, le patient, le centre d'angioplastie, peut immédiatement juger de l'efficacité. Par contre, si je le garde chez moi, je remarque que c'est un échec, ne battre au salle à 4 heures, l'angioplastie sera faite, non pas 3 heures, mais à 4 heures. J'ai perdu une heure. Est-ce que maintenant vous avez compris? Oui. C'est bon? Voilà. Donc, on peut résumer tout cela. Versant 7, disant que finalement, on thrombolise et on envoie le patient vers un centre d'angioplastie pour une éventuelle angioplastie de sauvetage si échec. Bien. Donc, si échec, angioplastie immédiate. Enfin, le plus rapidement possible. Si maintenant succès, qu'est-ce que je fais? C'est la question de Ibtissam, je pense. Si succès, qu'est-ce que je fais? Une coronarographie. Pour vérifier si. Coronarographie, c'est-à-dire que je dois quand même contrôler, mais dans quel délai? 24 heures. 24 heures, exactement. Donc, si c'est succès, je préconise une coronarographie avec éventuelle angioplastie dans les 24 heures. Bien. Question, pourquoi je vais faire une coronarographie alors même que c'était un succès? Pour confirmer le diagnostic. Non, fais pas docteur, pour voir le thrombose, est-ce qu'il est complètement thrombolisé? Voilà. Bravo. Donc, succès, ça veut dire quoi? Ouchmane, succès. Succès, ça veut dire artère reperméabilisée. Ça ne veut pas dire pour autant que le thrombus a complètement disparu. Ouchmane. Maintenant, la fibrinolyse peut vous bouffer un petit peu le thrombus, mais pas complètement. Elle peut le faire dissoudre, mais pas complètement. Alors, si elle le fait dissoudre ne serait-ce que partiellement, c'est un succès parce que l'artère est reperméabilisée. Et donc, succès ne veut pas dire que tout thrombus a été éliminé. Il peut y avoir un thrombus persistant. Il peut même être suboclusif. Et là, il y a quoi? Il y a risque de récidive. Voilà. Et donc, finalement, que fait la thrombolyse? Elle peut me faire disparaître car le thrombus. Ça, c'est le bon cas de figure. Ou là, elle peut me reperméabiliser que partiellement. L'artère, c'est un succès aussi, mais le thrombus est toujours là. Et donc, la thrombolyse peut vous transformer un ST+, finalement, en quoi? En ST-, exactement. En fait, elle ne le fait pas, c'est juste une manière de dire les choses. Là, c'est faux, hein, ça, il ne faut pas dire ça, hein, c'est une bêtise. C'est juste pour vous approcher un petit peu l'image. Et qu'est-ce qu'on fait pour un ST-? On repère. À haut risque? Angioplastie. Coronarographie avec éventuelle angioplastie. Dans les 24 heures. Voilà. Donc, et que va faire la coronarographie? Elle va contrôler si l'artère est complètement perméabilisée. C'est bon, ben on s'arrête là. Si maintenant, elle montre qu'il y a un thrombus qui est toujours là, qui est significatif, et bien là, je fais une angioplastie pour définitivement coller ce thrombus et éviter les récidives. C'est bon?
Bien. Alors, monsieur, yani, malgré toutes ces inconvénients, mais elle a fait mon thrombolyse. C'est-à-dire, bah, écoute, on n'est pas les seuls, hein, même les pays développés, ils ont fait. Alors, où est-ce que tu as fait des salles de caté? Oui, mais le problème, c'est que les salles de caté, ça nécessite énormément d'argent. Même l'écho, les autres. L'échographie, les autres examens complémentaires, je vous bien le succès, ça coûte. Ah, très bien, oui, mais maintenant, je trouve le succès de l'écho. Hein. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, on a cherché énormément de critères de succès. Si on a choisi l'écho, si on a choisi plusieurs rôles, ceux qui semblaient les plus pertinents, ce sont ceux qu'on est en train d'étudier. Rappelez. Voilà. Mais blongéoplastie, ma je crois que je trouve le succès ou la. Tu trouves le succès directement. Directement. Tu trouves l'artère reperméabilisée. Voilà. Mais bon, si tu n'as pas de salle de caté, tu n'as pas le choix. Tu dois tromper. Pas de choix. Voilà, exactement. Et pour ça, tu dois juger de l'efficacité. L'efficacité. Docteur. Oui. Docteur, pour évaluer le succès de la revascularisation, on doit avoir au moins les deux premiers critères. Oui, alors c'est les deux premiers critères principaux et c'est cela qu'il va falloir retenir. C'est bon? Docteur. Oui. Donc, si le FC+ devient soi-disant ACMO, on non, aura une... Non, on va dire ça, c'est une bêtise. Faut pas dire oui, ça. Oui, je sais. Donc, si le thrombus n'est pas complètement dissous. Oui. Alors, à l'OCD, on aura une régression de 6 décalage de 50%. Oui. Mais la douleur thoracique persiste toujours, c'est ça? Non, pas forcément. Pas forcément. Si la fibrinolyse a repermisé partiellement l'artère et que le sang qui arrive est suffisant au repos, la douleur disparaît. D'accord? D'accord. Donc, est-ce qu'on peut avoir une régression de six décalage avec persistance de la douleur? C'est un échec. D'accord. Le succès, c'est les deux critères en même temps. D'accord. Merci. La connexion n'est pas activée. Là, la lumière de la 4G, elle n'est pas bonne, c'est en train de bugger. Vous pouvez l'activer. D'accord. Docteur. Oui. Ça s'explique comment la disparition de la douleur et la persistance de ce décalage? Je fais un critère n'est jamais sensible et spécifique à 100%. Tenez, un critère n'est jamais parfait. Et donc, pour être sûr du succès, on va prendre les deux. Voilà. C'est-à-dire que le critère, il peut avoir disparition de la douleur. Mais ce n'est pas un critère spécifique à 100%. Il y a un certain cas où il y a sédation de la douleur et que l'artère n'est pas reperméabilisée, par exemple. Voilà. Mais c'est des cas rares quand même. Dans la plupart des cas, ça va ensemble. Dans la plupart des cas, quand la douleur disparaît, eh bien, il y a régression aussi du sus, décalage. Mais encore une fois, il faut exiger les deux. D'accord, merci. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne reste pas grand-chose. Bien. Alors, donc, quand on fait une angioplastie primaire, généralement, il y a comme un cas. Bien. Imaginons que vous recevez un patient, là, vous la souriez deux secondes, voilà un cas pour que vous compreniez une notion que j'ai envie de bien expliquer. Très bien. Alors, imaginons que vous recevez un patient, Agda. Alors, vous allez raisonner, vous allez me dire précisément ce que vous allez faire. Hein. Alors, imaginons que vous recevez un patient qui a, par exemple, 70 ans, qui consulte pour une douleur thoracique à H6, il est venu H6 de la douleur, et
vous suspectez bien sûr la salle pulmonaire aiguë, vous lui faites un ECG et vous trouvez l'ECG suivant. Ça. Première question pour vous, quel est votre diagnostic? Syndrome coronarien. Voilà. C'est plus. Dans le territoire inférieur. Territoire inférieur. Bien. Très bien. Sus-décalage dans le territoire inférieur. Et donc, on a un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Très bien. Et donc, quelle va être votre conduite à tenir? Allez-y. Une hospitalisation dans l'unité de soins médical initial. On donne un traitement antithrombotique. La mise en condition. Traitement antithrombotique. Traitement antithrombotique. Thrombotique. Monitoring des fréquences et monitoring de l'ECG. Très bien, voilà. Disponibilité de la salle de cathé. Dans 2 heures. La première des choses, après monitorage, quoi d'abord, etc., on va donner le traitement antithrombotique. J'avais dit qu'il était important. Il fallait le donner le plus précocement possible. Alors, qu'est-ce que vous allez donner? Aspirine, clopidogrel. Aspirine, clopidogrel. Clopidogrel, 300 mg, 75 mg de entretien. Dose tac-tac. Voilà. Heparine à dose anticoagulante. À dose curative. HBPM à dose curative. Est-ce que vous donnez un traitement antischémique? Non. Pas nécessaire à ce stade. Ensuite, rapidement, qu'est-ce que vous allez proposer? Revascularisation. Voilà. Très bien. On va voir la disponibilité de la salle de cathé. Chercher les contre-indications. Attendez. La première question à se poser, même si je vous l'ai donné, quand est-ce que la douleur a commencé? Voilà. Est-il alors, elle a commencé il y a 6 heures de temps. Il est H6. Vascularisation systématique. Inférieur à 12 heures. Okay. Là, il est dans les délais de la revascularisation. Comment? Systématique. Exactement. Bien, donc très bien. Alors, est-ce qu'il est dans les délais des 12 heures? Est-ce qu'il est dans les délais des 2 choix? Oui. Oui. Vu qu'à Giacomo, H15, par exemple, H0. Non, en jeu plastique. Mais là, Giacomo, H6, et H6, vous avez le choix entre les deux. Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'il y a une salle de cathé disponible dans les 2 heures? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une salle de cathé disponible chez vous, dans votre centre, ou dans un centre près de moins de 2 heures de temps? Si c'est oui, ça va être quoi? L'angioplastie primaire. Alors, si maintenant, il n'y a pas de salle de cathé disponible dans les heures de temps, qu'est-ce que vous faites? Tromboliser. Chercher les contre-indications. Ah, si vous dites que ce patient a fait un AVC ischémique il y a 3 mois. Non, c'est contre-indication à la thrombolyse. Angioplastique, quel que soit le délai. Quel que soit le délai. Si maintenant vous interrogez très bien votre patient, il n'y a pas de contre-indication, vous faites quoi? Thrombolyse. Et on l'envoie immédiatement dans un centre. Vous l'envoyez immédiatement vers un centre d'angio. Très bien, voilà. Alors, quand le centre d'angioplastie reçoit le patient, le médecin va le réinterroger. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que la douleur? Encore la douleur. Il va le faire un ECG dans une heure. Est-ce que la douleur a cédé? La première des choses. Oui. Il refait un ECG. Est-ce que le décalage a régressé? Alors, si la douleur... Oui. Si la douleur a cédé, le sous-décalage a régressé de plus de 50%. Qu'est-ce qu'il propose? C'est bien. Une coronarographie. Coronarographie. Dans les 24 heures. 24 heures. Avec éventuelle angioplastie. Si maintenant, le médecin remarque que la douleur est toujours là et que le sous-décalage n'a pas régressé. Échec. Il fait une angioplastie de... Sauvetage. Exactement. Alors là, je vais vous montrer l'angioplastie de sauvetage. Voilà. Donc, ça commence par quoi?
Ça commence, la première image, ça va être celle de la coraux. Alors, très rabote. Bien, et donc on commence par la coronaire gauche. Et je vais vous projeter l'image. Est-ce que l'image est partagée? Oui. Oui, très bien. Je vais la mettre en plein écran. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est la coronaire gauche. Est-ce qu'il y a des lésions ou pas? Oui, moi je remarque qu'il y a une lésion hyper serrée, il n'y a rien de l'IVA. Elle est là. Il y a une sténose hyper serrée de l'IVA. Ça, allez, ça. Et je passe à la droite et je trouve une droite qui est comment? Dilatée. Elle n'est pas dilatée, elle est complètement obstruée. Thrombosée, exactement. Mmh. Bien. Alors, question, il va falloir traiter, mais quelle artère allez-vous traiter? Pourquoi? Le CG d'abord. La droite. La droite. Pourquoi pas l'IVA? Elle est plus importante l'IVA que la droite. Mais la droite, elle est, l'IVA, elle est partielle. C'est pas l'artère coupable. L'artère coupable, exactement. C'est-à-dire qu'on doit traiter en priorité toujours l'artère coupable. Et l'artère coupable, ça va être la coronaire droite. Comment j'ai su que c'était la coronaire droite? Le CG. Ah, le CG. Le patient a susdécalé dans le territoire inférieur des 2-3 VF. Le territoire inférieur étant vascularisé par la coronaire droite, et ben c'est l'artère coupable. Et même si j'ai une lésion au niveau de l'IVA, je commencerai par la droite. Oui, CNMS, vas-y. CNMS qui a levé la main. Oui, parle. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Un autre argument, on va dire, ben, écoutez, l'artère est complètement occluse. Ça, c'est l'image typique de la coronarographie d'un ST+. On remarque que finalement, ce n'est pas une sténose. On ne voit même pas le lit d'avant de l'artère. L'artère est complètement occluse par un thrombus. Et le flou là que vous voyez, ben, c'est le thrombus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Ben, on peut, pareil, faire une angioplastie. C'est-à-dire passer un guide. Et remarquez, juste le passage du guide nous a un petit peu montré le lit d'aval, n'est-ce pas? Oui. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Le truc blanc, là, c'est quoi? C'est quoi le truc blanc? Eh bien, c'est le thrombus. Vous voyez, ça, c'est la plaque d'athérome. Je fais la plaque d'athérome. Oui. Ouais. Et sur la plaque d'athérome, il y a quoi? Il y a un truc qui est blanc. Là, ça, c'est le thrombus. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de patient? Finalement, on place un ballon muni d'un stent, on gonfle. Et on dégonfle. On dégonfle, on retire le ballon et on laisse le stent et l'artère est reperméabilisée. En fait, le thrombus est toujours là, mais il est bloqué entre la paroi et le stent, il est piégé. Voilà. Il a remarqué une chose, l'artère était occluse ici, et là, on a récupéré tout ce lit d'aval. Et donc là, probablement que ça va être un succès. Voilà. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, si c'est bon, on passe à la dernière partie du cours. Et la dernière partie du cours, ça va être quoi? Ça va être... Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Ça va être... Ordonnance de sortie. Ordonnance de sortie, exactement. Oui, alors, question. Vas-y. Pour le sujet de la thrombose. Oui. C'est parce que je n'ai pas entendu. Pour évaluer le succès de la thrombolyse. On a oublié la question, mais c'est ma... Pour assurer qu'on a la succès de la thrombolyse. On fait la coronarographie pendant 24 heures. Exactement. Donc, quand on fait une thrombolyse, on envoie directement le patient vers un autre angioplastie. Donc, si c'est un succès, on a le temps. On peut programmer le malade dans les 24 heures. Si c'est un échec, on le fait immédiatement. On fait une angioplastie de sauvetage. C'est bon? D'accord, merci. Très bien. Bien, donc après la revascularisation, soit par fibrinolyse contrôlée par angioplastie ou en angioplastie d'emblée, par la suite, s'il n'y a pas de complications, les complications, vous les ferez un cours à part, on passe à l'ordonnance de sortie. Alors, qu'allons-nous prescrire? De l'aspirine. De l'aspirine, exactement, plus du... Clopidogrel. Pendant combien de temps? Un an. Un an, exactement. Une année.
Voilà. Alors, pourquoi une année? C'est le même raisonnement que le ST. Alors, ça, c'est le basique, hein, effectivement. Oui. Je pense qu'on commence, en tout cas, par le cas de l'IVA. On commence par l'artère coupable, là, le Galaxy M20. Bien, donc, aspirine Plavix pendant une année, double anti-agrégation plaquettaire. On couvre toujours la première année par la double anti-agrégation plaquettaire parce que le risque de récidive est maximal la première année. Ensuite, on fait quoi? On garde que l'aspirine AV. L'aspirine AV. Voilà, et c'est un traitement de quoi? De prévention secondaire. Souvenez-vous d'une chose, tout patient ayant eu une complication de l'athérosclérose, c'est-à-dire une athérothrombose, doit être traité par l'aspirine à vie. Que ce soit un AVC ischémique lié à une rupture de plaque d'athérom, que ce soit un syndrome coronarien aigu ST- lié à une rupture de plaque d'athérom ou un ST+ par le même mécanisme, doit être traité par de l'aspirine à vie. C'est bon? Oui. Donc, après un syndrome coronarien aigu, que ce soit ST+ ou ST-, double anti-agrégation plaquettaire pendant une année. Ensuite, on continue uniquement pour l'aspirine à vie. Statine. Donc, est-ce qu'on donne une statine? Oui, pareil. Oui, prévention secondaire. Ah, prévention secondaire. Donc, deux effets bénéfiques, effet stabilisateur de plaque et effet sur le cholestérol, avec toujours le même objectif sur le cholestérol, qui est de un LDL inférieur à 0,7. Voilà. Donc, je dois adopter la dose pour avoir un LDL cholestérol inférieur à 0,7. Très bien. Est-ce que je mets un IEC? Oui. Alors, combien un IEC? Effet sur le remodelage des artères. Ah, exactement. Alors, ça, c'est pas sur le remodelage des artères, mais sur l'ombre. Sur le cœur. Exactement. Alors là, c'est aussi pour le système rénangiotensine titulaire. Vous savez que l'angiotensine 2, hein, qui est l'effecteur du système rénangiotensine, est une puissante hormone vasoconstrictrice. Ça, vous le savez. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que cette hormone est aussi fibrosante. Et donc, elle favorise la fibrose des vaisseaux et du cœur et d'autres organes d'ailleurs. Et donc, quand on bloque le système rénangiotensine par l'IEC ou NR2, hein, on va diminuer cette fibrose. Pourquoi c'est important après un infarctus, surtout s'il y a eu une nécrose? Quand vous faites un infarctus, là je ne me vois plus. J'aime bien le voir, c'est pas ça du tout, mais pour que je sois cadré. Alors, je peux récupérer. Très rapide. Petit problème technique. Ah, c'est bon, là je pourrais cadrer. Très bien. Parfait. Donc, quand vous avez un infarctus, surtout s'il y a une nécrose, eh bien, cette paroi ne se contractera plus. Elle devient de la fibrose. Alors, le problème, c'est que voilà, cette fibrose cicatricielle peut être un petit peu exagérée, extensive. Ah, très bien. Bien, ça s'améliore. Un hébrisme du léger. Très bien. Deux secondes. Oui. J'ai reçu le... Bon, date pour 100 personnes, mais bon, c'est limité. Sinon, si on peut leur dire, box, ils peuvent. Deux secondes, hein. Enregistrer. Ah, très bien. C'est un peu, il faut que. Et voilà, on va ensuite publier le truc. Hein. Bien, donc, je disais que cette fibrose peut être extensive. Elle va faire quoi? Elle va un petit peu déformer le VG. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez très bien la forme du VG. Le VG est conique. Il a le... Oui. Ouais, voilà, exactement. Il a la forme d'un cône, makhlot. Et cette forme conique n'est pas faite par hasard. Hein. Elle permet une meilleure éjection. Elle est optimale pour l'éjection. Voilà. Vous prenez n'importe quelle forme géométrique, diminuez son volume en systole, et la meilleure éjection, vous l'obtiendrez avec un cône. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une paroi qui est nécrosée, qui va devenir akinétique, s'il y a un excès de fibrose, là, ça va déformer la géométrie du VG. Et cette fibrose n'a plus la forme conique, elle va devenir sphérique. Et le VG, hein, la géométrie globale du VG va être déformée. On parle de quoi? On parle de remodelage. Ou je mène un remodelage.
comment on peut définir, c'est un peu la déformation du VG, n'est-ce pas, suite à une fibrose qui perd sa géométrie et donc ça va entraver son efficacité hémodynamique. Et donc pour freiner un petit peu cette fibrose néfaste, pour freiner ce remodelage, eh ben on peut bloquer l'angiotensine 2 et on la bloque par quoi? Par un IUC ou un ARA2. Et donc un IUC ARA2 est presque après un infarctus et son rôle est encore plus important après un ST-. Surtout si le ST+, c'est compliqué de nécrose. Bien. Bêta-bloquant, est-ce qu'on donne des bêta-bloquants? Oui, là aussi, on donne des bêta-bloquants pour un ST+. Alors, reprendre le partage. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai arrêté, le partage. Pourquoi on donne un bêta-bloquant? Eh bien, le bêta-bloquant, c'est actuellement... Ionotrope négative. C'est pas uniquement pour ça. Donc, déjà, il a un effet antiarythmique, n'est-ce pas? Les bêta-bloquants, c'est un effet antiarythmique. Et deuxièmement, les bêta-bloquants, c'est actuellement l'un des traitements de l'insuffisance cardiaque chronique. Pourquoi c'est l'un des traitements de l'insuffisance cardiaque chronique? Parce qu'il permet la préservation de la fonction VG. Et donc, donner un bêta-bloquant après un infarctus, surtout si celui-là s'est accompagné de nécrose, permet de préserver et de maintenir la fonction VG et éviter qu'elle se détériore. Quand on parlera de l'insuffisance cardiaque, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, je vous expliquerai un petit peu le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique et quelle est la logique de donner finalement un bêta-bloquant qui est un inotrope négatif. Donc voilà, basique pour l'infarctus, vous avez compris pourquoi. Aspirine, Plavix pour éviter les récidives, ensuite aspirine seule. Bêta-bloquant IEC, c'est surtout pour la préservation de la fonction VG, pour qu'elle se détériore trop suite aux séquelles de l'infarctus. Et les statines, c'est un traitement aussi de prévention secondaire sur le cholestérol, mais aussi sur la plaque d'athérome, sans oublier les règles d'hygiène, bien, les règles d'hygiène que vous connaissez, ben, facteur de risque, lutter contre les facteurs de risque, merci. Voilà. Bien, je pense qu'on a fini. Est-ce qu'il y a des cours? Des questions. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Est-ce qu'on donne des bêta-bloquants pour un IDM avec un ST-? Si on revascularise, on n'est pas obligé. Non. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez répéter la notion des aspects atypiques de l'ECG? Oui, je vais les répéter, mais pas tout de suite. Je vais les répéter quand on fera les blocs de branches. D'accord, merci. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Blocs de branches, les haqqa-haqqa, on va peut-être le reporter. On le reporte lundi, là. On reporte. Waouh. Jamais reporté la N, il n'y a jamais reporté la... Il y a pause. Eh, on reporte. Et je pense qu'on doit le reporter, c'est vrai. Pour l'alftar. Dis-le, on a l'alftar. La connexion, mais je suis mléha mon l'alftar, c'est ça le problème. La connexion, la vaisselle. La vaisselle. Dis-le, redouard 11h, pareil. Redouard. Demain 11h, bloc de branche, mais on devait faire quelque chose de max, qu'on devait faire. Allez, je relâche. Dis-le, redouard, bloc de branche. Demain, on devait faire l'atelier. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous dire, je vais vous dire, ce soir, je vais vous envoyer les électrodes à l'atelier. Agda. Donc, même si on n'a pas encore fait les blocs de branches, essayez quand même de les voir. Hein? Ou redouan inchallah, dérou bloc de branches, comme rappel théorique, ou dérou la correction des tracés par la suite. D'accord? Oui. Docteur, vous pouvez m'envoyer cette diapo? Hadi, à barque, wahida. Oui, du syndrome coronarien. Oui, mais Kaina, une ancienne version. D'ailleurs, arrêtez de lire sur les anciennes versions et surtout sur les enregistrements audio. La belle écoute l'enregistrement audio. Les cours sont actualisés au fur et à mesure. Sabrina, tu me la laisses, tu me laisses du temps pour la retravailler une bataille, c'est promis. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur? Oui. Est-ce que l'avancée peut représenter une contre-indication à un traitement interdit? Est-ce que tu peux reposer ton question plus lentement et surtout doucement?
Est-ce que l'âge avancé peut représenter une contre-indication? Contre-indication à un traitement invasif. Très, très bonne question. Non, pas du tout. Il n'y a pas de contre-indication à l'angioplastie primaire, même chez le sujet très âgé. Hein. Voilà. En Europe, par exemple, pour les angioplasties à des patients qui ont 65, 85 ans, 90 ans, etc. Là, il n'y a pas de contre-indication par rapport à l'âge. Bien. Pour la thrombolyse, c'est plus délicat parce qu'il y a un risque hémorragique et ce risque hémorragique est plus fréquent chez le sujet âgé. La tendance actuelle est de thromboliser quand même les sujets âgés si on ne dispose pas d'angioplastie primaire, mais de thromboliser avec la moitié de la dose. Voilà. Donc, on réduit la dose pour réduire le risque hémorragique chez le sujet très âgé. Monsieur, on n'a pas parlé d'indication d'angioplastie. On n'a pas parlé d'indication d'angioplastie, Ouchmane. On a fait que ça depuis tout à l'heure. Les contre-indications. Ah, il n'y a pas. La seule contre-indication, c'est extrêmement rare, hein, qui est très rare, la seule contre-indication, ça serait une allergie vraie aux produits de contraste, iodé. Et l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale n'est pas une contre-indication. Voilà, parce que le pronostic du cœur, le pronostic vital, l'emporte sur le pronostic du rein. Sur le pronostic rénal, d'accord. Ouais, ouais. Et puis, si quelqu'un a une insuffisance rénale, le produit de contraste dont je vais passer ne va faire que précipiter les choses. Mais tôt ou tard, elle arrive seule vers l'insuffisance rénale terminale. Voilà. Docteur? D'accord. Oui? S'il vous plaît, on donne les bêta-bloquants de STI+, même si on a revascularisé le plus rapidement. Écoute, là, c'est une question difficile. Alors, pas difficile pour moi, mais difficile pour vous, parce que je n'ai pas entré dans le détail. C'est pas le même bénéfice. Alors, quand il y a une revascularisation parfaite, il n'y a pas de dysfonction VG, on n'est pas obligé. D'accord. Le bénéfice est beaucoup moins important. Les bêta-bloquants, je vais résumer ça en une seule phrase. Les bêta-bloquants, les IEC, sont d'autant plus importants qu'il y a eu séquelles de nécrose. D'accord. Voilà. Merci. Docteur? Oui. Même si on n'a pas de salle de cathé, on doit transporter le malade. Est-ce qu'on peut donner des anti-ischémiques, un type de bêta-bloquant pour diminuer l'effort du cœur ou là, on ne donne pas? Non. On ne donne pas à la phase aiguë. D'accord. On va les instaurer par la suite, après la revascularisation, même si c'est une fibrinolyse. D'autres questions? Docteur? Oui. La RIVA, est-ce qu'on peut parler d'extrasystole? Le RIVA. C'est des extrasystoles? Non, ce n'est pas des extrasystoles. Non. Je te montrerai un tracé de RIVA. L'extrasystole, c'est des complexes isolés, mais à demain, c'est des complexes successifs. Alors, je ne sais pas pourquoi elle vous pose problème. Ouais, il vous pose problème, le RIVA. En fait, c'est comme une PV avec une fréquence qui ne dépasse pas les 100. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est PV, avec une fréquence qui ne dépasse pas les 100. En plus, c'est un critère de succès. Ouais, ouais. Tout l'intérêt du RIVA vient du fait que c'est un critère de succès. Tiens, votre question? Bonsoir, s'il vous plaît. On vérifie quand même l'efficacité de l'angioplastie primaire ou pas? Oui, bien sûr. Oui. On vérifie ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si mon angioplastie primaire est un succès, il doit y avoir sédation de la douleur et régression du juste décalage. D'accord. On parle d'une image au miroir. Est-ce qu'on peut considérer une entité négative quand on est une image? Jamais. Non. Qui parle? Comment tu t'appelles? Hein? Najat. Je vais Najat. L'image en miroir, c'est tout le temps un sous-décalage. L'image en miroir, c'est quoi? C'est l'image en miroir du sus-décalage. C'est quoi l'inverse du décalage? C'est pas une entité négative. Un sous-décalage. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Concernant le syndrome coronarien aigu avec ST moins, je veux savoir le mécanisme, comment la succession des événements. On aura un ECG normal, puis un ECG négatif, puis un décalage du segment ST. Ah, c'est pas une succession, c'est des cas de figure différents. Je ne suis pas obligé d'avoir tout ça. J'ai ça ou ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure de gravité différentes. Soit j'ai une inversion dentée, soit j'ai un sous-décalage, soit j'ai un OCG normal, soit j'ai un sous-décalage non persistant. Voilà, ce n'est pas une succession, ce n'est pas une séquence. Sauf que je peux avoir par moment une dentée négative et par moment un sous-décalage. Je parle alors de quoi? De modification électrique. Monsieur, comment on lente de tension négative? Eh bien, tout le positif, tout le matériel, tout le négatif. Alors, la réponse n'est pas convaincante parce que je n'ai pas compris la question. Je veux savoir comment ça se déroule au niveau du potentiel d'action. On ne sait pas. Dépolarisation. On ne sait pas. Il y a des théories comme ça, Magda, mais qui n'expliquent pas tout. Ok. Alors, Buckley, on disait ischémie sous-endocardique, lésion, tout ça. Mais Hadi, ça n'a aucune... c'est pas vrai, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des signes d'ischémie de gravité différente. Docteur? Oui? Si on reçoit un patient qui a l'EBM déjà, et se présente avec une douleur thoracique, et on fait un ECG, on trouve ce décalage, mais sans image en miroir, sachant que l'EBM antérieur n'est pas revascularisé, est-ce qu'on fait d'emblée un diagnostic d'un syndrome coronarien ST+, ou là ça peut être lié à l'anévrisme ou... Ouais, exactement, ben là, ce que tu décris a l'air d'être plus à l'anévrisme, sauf que dans l'anévrisme, il n'y a pas de douleur thoracique. Donc, je peux diagnostiquer et mettre le traitement. Tu peux diagnostiquer. Alors là, on va dire que s'il n'y a pas de douleur et que tu as eu un juste décalage avec une antécédente nécrose et un antécédent d'infarctus dans les 3 semaines, on évoque plus un anévrisme. Et là, pour éliminer ce problème récent, qu'est-ce qu'on fait? On peut doser des troponines. Ouais, si les troponines sont négatives, on est sûr que c'est ancien, par exemple. Voilà. Mais ça, ce que tu décris ressemble plus à un anévrisme. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, docteur. Docteur? Oui, Ilias. S'il y a un patient qui a eu une angioplastie primaire, est-ce qu'il y a une possibilité de la refaire? Un patient qui a eu une angioplastie primaire, est-ce qu'il y a une possibilité de la refaire? De la refaire? Oui. Oui, bien sûr, exactement. Oui, bien sûr qu'on peut la refaire. Alors, je peux faire une angioplastie primaire à un patient. Il sort, il prend mal son traitement. Il revient parce qu'il a récidivé, il a fait une thrombose de stent. Je lui refais une angioplastie primaire, bien sûr. L'autre externe qui a parlé juste avant, vas-y. Lorsqu'on fait la fibrinolyse, oui. Est-ce qu'on doit